10 septembre 1949. Donc, pour ceux qui auraient loupé la session précédente, on avait nettoyé l'Afrique du Nord, on avait relâché plein de mignons. J'ai relâché la Guinée, j'ai relâché l'Union du Mali, j'ai relâché l'Algérie, j'ai relâché la Tunisie qui a récupéré les pépés français, donc la Tunisie, qui vont être des alliés intéressants parce qu'ils vont me chier de la troupe. Ils vont me chier de la troupe. L'Égypte, pareil, d'ailleurs, je vais donner des ressources à l'Égypte parce qu'elle peut pas utiliser ses pépés. Elle a 23 pépés, mais je pense qu'elle a pas de ressources. Donc je vais feed un peu mes mignons. Pareil avec la Perse, je crois qu'il peut monter à 20 pépés, mais il a pas les ressources. Donc je vais, vu que moi j'ai beaucoup de ressources en stock, je vais les feed pour qu'ils me sortent de la troupe. Et on avait décidé, bon, j'avais eu un peu peur avec le débarquement américain, là, d'ailleurs, il y a un reliquat américain que mes tanks sont en train d'aller nettoyer. Et on avait décidé d'aller attaquer la Russie. La Russie qui a des problèmes de... des gros problèmes de dissent. Donc j'ai énormément de divisions en redéploiement d'Afrique. Quasiment toutes mes divisions d'élite sont en train de se redéployer en Mongolie ou à la frontière avec le Russe. En échange de ressources, non, ouais, je m'en branle. Y a rien sur ces provinces, regarde. Vide, vide. Ouais, quasiment vide. Vide, vide. On s'en tape. Bon, la production c'est bon, je faisais de la garnison. Je vais avoir besoin de beaucoup de garnison en plus des divisions que l'Afrique, les Africains, mes alliés africains vont me sortir. Est-ce que je peux commencer à leur filer des ressources? Là non, je vais devoir attendre quelques semaines avant de pouvoir filer des ressources. Quid de mes autres alliés là-haut? Ok, ok, c'est bon. C'est bon aussi. Putain, mon Sigme, 40 pp, quel monstre! Quel énorme monstre! Ouais, j'ai... Là, putain, j'ai explosé ma TC! 585! 585 sur 453. Rappelez-vous que au début, j'étais avec mes 52 TC. Ouh, regardez l'Egypte qui vient de me sortir une petite division fraîche. Ça fait plaisir, ça. Allez, hop, tu vas aller rejoindre le copain. Alors, l'Egypte... Oh, motorisé. Alors, je suis en train de totalement... transformer mon armée. Hein. Mes milices sont en train de se transformer. Regardez la pauvre division canadienne. Mes milices sont en train de se transformer en... l'infanterie, que je vais convertir en mécanisé. En même temps, je fais de la... Je fais du motorisé. Donc, je suis en train vraiment de totalement transformer mon armée. Et je vais compter sur tous mes minions pour faire de l'infanterie. Je ne vais pas faire d'infanterie. Ce sont mes minions qui vont être là pour tenir la ligne. Oh, regardez, là, j'ai 3 divisions blindées. Ça serait bien que je dégage ça le plus vite possible. Là, j'ai une division libyenne. On va attendre que le Libyen sorte plus d'unités. Oh, encore du tank. Incroyable. Open negotiation. Voilà. Ressources, ressources. Donc l'Egypte, déjà je vais lui donner... on va mettre une petite pause, le temps de faire ça. Des blueprints. Et je vais lui filer... qu'est-ce que je peux lui donner? 5000 de ça, 5000 de ça, 5000 de ça. Et je pense qu'on est bon. On va lui donner un peu de pétrole, je peux me permettre. Voilà. Hop! Tiens, prends les ressources. Et là, il est monté à 18 pp grâce à mes ressources. Donc là, je peux vous dire qu'il va chier de la division. Parce que 18 pp, c'est pas dégueu. Hein. 19 pp, il monte. On va faire pareil avec le Perse. Je vais lui donner toutes mes techs. Je vais lui donner... Bon, de l'essence, un petit peu. Je finis du pp au passage. Hop. Hop. Allez, c'est parti. Le Perse. Parce que le Perse a beaucoup de pp aussi. Hein. 3. Boum, 15 pp, le Perse. Magnifique. À l'est de Tel Aviv ou Gaza. Ouais, ouais, là, je suis juste en train de tout nettoyer. La plage, elle est à Tel Aviv. Je vais mettre des milices à Tel Aviv. Voilà, allez, à pied. Voilà. Donc là, je commence déjà à avoir mes mignons qui commencent à sortir des divisions. Regardez-moi ça, les divisions arabes. Là, j'ai du Panzer. On va attendre qu'il soit 3. Hop. Voilà, ici, j'ai wipé. Voilà, ici, on a wipé. Fantastique. Là, j'ai une division perse. Je commence à avoir des divisions, hein. C'est, ça fait plaisir. Hein. Alors, toi c'est bon au niveau ressources, toi aussi t'as pas l'air dégueu. Je leur file toute la tech et tout. Attends, putain, mais merde! Ah, Ashvaz, il débarque en Perse. Ah, le fils de pute! J'ai 3 divisions américaines en train d'essayer de débarquer en Perse. J'ai aucune réserve mobile, malheureusement. On va prendre eux. Redéploiement stratégique. Alors, regardez-moi ça.
J'ai 3 garnisons, dont une en artillerie. Putain! 3 divisions de Marines, dont une en char amphibie, en char léger. Oh là là, mais l'américain, putain. Alors, normalement, je pense que je vais défendre. Donc, ouais, il faut au moins 3 divisions hein, pour défendre. Hein. Il faut 3 putains de divisions pour défendre. L'IA qui va pas arrêter de me harceler, je pense. Hein. Donc, ouais, je peux pas aller en Russie tant que mes arrières sont pas proprement sécurisées avec au moins 3 divs par plage. Et peut-être une division de réserve pour être plus rapide. La petite division perse. Qui va aller, bah, je vais l'envoyer en Perse. Voilà, à Shirav. Là, je vais prendre ces 3 divisions blindées. Et on va envoyer ça. Alors, attendez, il faut que je regarde un peu le terrain en Russie. Oh, regardez-moi ça en Russie. Ça, c'est un corridor en blanc de plaine. Je vais aller manœuvrer là-dedans. Là-haut, il y a que du marécage. Le nord de la Russie, vous oubliez. Je ne vais pas là-bas. En plus, il n'y a pas de point de contrôle. Aucun point de contrôle, donc ces provinces n'ont aucun intérêt. Là-haut, il y a de la forêt et de la montagne. Où là, je vais envoyer toutes mes unités mobiles ici. Et on va faire une blitzkrieg dans les plaines russes. On va essayer de couper le russe en deux. Encercler tout ça au sud. On va utiliser... Bah, je commence à avoir une belle mécanisation de mes forces, en fait. Pépé, pour fit tes alliés en ressources, tu peux cocher la auto-help allies. Bien vu. Hop, hop, putain. Ah! Ah non, c'est pas... C'est Anut. Je me disais bien un commentaire aussi bon. Ça pouvait pas être A. Alors, View maps, non, diplomatie. C'est économie. C'est économie. Hop. Auto help allies. Voilà. Auto give blueprint to allies. Merci. Parfait. J'avais oublié ça, ça va être très pratique. Est-ce que ça tient à Ashvaz? Oui! Regardez l'américain. Par contre, il me fait mal cet enculé. Ah non, ouais, je fais plus de pertes. Et je le saigne aussi. Et j'ai des renforts qui arrivent. Putain, ouais, mais ma TC qui a explosé. J'ai encore fait le bourrin avec ma TC. Alors malheureusement, Bat, Soleil d'Acier, je m'étais arrêté aux 2 premiers épisodes. Hein. Je trouvais ça un petit peu lent, en fait. À mon goût. Voilà. C'était un petit peu lent. Mais Bat a eu le mérite de faire découvrir Darkest Tower à beaucoup de monde. Et ça, c'est une bonne chose. Bon. Mes alliés africains, ça, c'est une division égyptienne. Vivement que ça me sorte des divins. On va continuer à développer l'essence synthétique. Bon, tant pis si j'ai pas l'industrie. Regardez. Eh, mais il va me battre! T'es sérieux, là? Oh non, j'ai des renforts qui viennent d'arriver! Il a 4 divisions, il a encore des renforts! Sacré nom de Dieu! Je veux. Est-ce que je prends le risque de libérer ma plage ici? Pause. On va tenter un petit coup. Je vais faire ça. Hop. Hop. Une division perse! Basique semi-conducteur. Ça, c'est des technologies très tardives. Mais en théorie, on va faire ça. On va continuer à faire du renseignement. Oh, j'ai pas la tech, putain. Land Doctrine. Allez, Hunter Groups. Voilà. Putain, mais l'Américain qui me met la bifle, hein. Il me met la bifle, l'Américain. Bon, ma motorisée arrive à 7 km/h. Ça va aider. Voilà. Je vais envoyer mes tanks aussi, pendant que j'y suis, en offensive. Ok, là, c'est bon. Là, c'est bon. Avec les renforts que j'ai amenés, il passera pas. Putain, les pertes qu'il a pris, l'Américain. Oh. On va aller voir les pertes qu'il a prises sur son débarquement. Mais là, il a pris très très cher. 13 000 morts. Bon, j'en ai pris 9 000, mais lui, c'est quand même... Il y a de la bonne troupe, quoi. Marines 1946, hein. Je sais même pas ce que c'est que les Marines, moi. Regardez la première division perse qui est sortie. Elle est belle, hein. Il y a de l'ingénieur et de l'anti-air. Infanterie 48, s'il vous plaît. Maintenant que je feed les IA, ça produit, hein. Regardez-moi les divisions en train de se déployer face aux Russes. Mes corps mobiles. Ouh là là, regardez-moi ici. Encore de la division de Singh. Merde, il y a de l'artillerie, putain.
Ça va être parfait pour tenir, aider à tenir dans le désert. Voilà. Je compte vraiment sur l'IA pour me faire beaucoup de divisions. Hein. C'est bon, l'Américain s'empale. Mais c'est inquiétant de voir l'Américain commencer à me débarquer sur la gueule avec autant de divs. C'est inquiétant. Ah, l'armée tank. Trois nouvelles divisions blindées. Vous allez bientôt voir mon corps mobile au grand complet. Ce sera la première fois qu'il sera entièrement rassemblé. Ça va être impressionnant. Je vais souvent avoir 15 divisions blindées ou quelque chose comme ça. Faudra que tu défendes la Perse et ton cœur industriel contre le russe. Bah en fait, en soi, j'ai juste deux provinces en frontière avec le russe. J'ai que ces deux provinces-là. Donc je vais bétonner ici. Là, je crois que... Ouais, le russe n'a rien à voir là-dedans. Donc en soi, je suis plutôt tranquille. Hein. Hop là. On va laisser les tanks là. Je vais renvoyer la motorisée en réserve. Je vais retourner... Attends, mais c'est une blague ici? J'ai oublié de défendre. Ah ouais, j'ai oublié de défendre la plage. Le Bassora. Il y a beaucoup de plages ici, hein, putain. Ouais, je gâche tellement de bonnes divisions à défendre ces putains de plages. J'espère que mes alliés africains, hein, la nouvelle alliance pan-mongole africaine, va commencer à bosser sérieusement et me sortir de la viande. Hein. J'ai beaucoup d'espoir pour l'Égyptien avec 19 pp et le Perse 15 pp. Regardez! Le premier bateau mongol est sorti des chantiers! J'ai un bateau! J'ai une flottille de transport! J'ai des bateaux à voile! J'ai des bateaux à voile, regardez-moi ça! S'il est pas beau! C'est les bateaux 1843! Putain! Aïe 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 aïe! Oh! Ah, il me donne Impal! Magnifique! La clique Yuan, ok. Merci, c'est sympa. Ouh, de la division! Voilà, deux divisions motorisées et division blindée. J'ai un nouveau corps de tank opérationnel. Voilà. Est-ce que j'ai un... On va aller voir aussi après qui commande. Là, j'ai bien mis des Panzerleaders. Regardez-moi ça, le Liban et tout ça. Est-ce que j'assume le contrôle militaire? Voilà, on va assumer le contrôle militaire de tous ces gueux, là. Enfin, ces gueux, pardon. Mes fidèles alliés. La Jordanie aussi, voilà. Voyage transport. On va continuer à améliorer mon armée. Ah, voilà. Hop. J'ai 73 divisions obsolètes et 18 brigades obsolètes. Hein. J'attends avec impatience. Oh! Ah non, c'est les divisions tibétaines qui sont arrivées. Bon bah je vais pouvoir prendre 3 nouvelles divisions blindées et envoyer ça. D'ailleurs j'ai pas un Panzerleader pour ces unités. Je crois que j'ai déjà... Oh non t'es sérieux, j'ai utilisé tous mes Panzerleader. J'ai utilisé tous mes Panzerleader. Mais putain de ta mère. J'ai trop de tanks. Winter Specialist pour la Russie, ça servira. Voilà. Bon, mes armées sont en train de commencer à se mettre en place. Pas mal du tout, tout ça. Et le débarquement américain a été repoussé. Ça, c'est très bon. Encore des tanks. Hein, avec un Panzerleader. Ici, non, c'est de la montagne. Ça m'intéresse pas. Ouh là là, toute l'artillerie qui s'upgrade. Magnifique. Encore du tank. Je commence à avoir une sacrée armée ici. Hein. 3 divisions motorisées. Là, j'ai... Attends... ça c'est de la cavalerie mécanisée. 3 divisions blindées. Mon artillerie. Putain c'est beau ce corps d'élite. Hop là. Là-haut, j'ai pas Fonion Gun qui est encore là. Mais je suis en train de convertir tellement de tanks. Hein. Oh regardez, j'avais pas vu. Encore des tanks. Fonion Gun. Fonion Gun qui est en cavalerie mécanisée 42. Qui lui va venir à l'état. Voilà.
Et j'ai 3 divisions d'infanterie mécanisées 45. Putain, l'armée mongole, c'est le Wakanda là, sur ces provinces, hein. Regarde, il va falloir que je protège ces provinces, hein. Troop Chief 1925. Je viens de finir les bateaux 1925. Allez, Troop Ship 1936. Sans aucune équipe spécialisée. C'est catastrophique. Je vais relancer une production de bateaux. Des bateaux plus modernes. 5-6, voilà. 6 bateaux. Je sais pas comment je vais les utiliser, mais je vais les utiliser. Putain, regardez-moi ça, le bordel que c'est en train de devenir. 15 pp, bon, l'Africain, tu me sors des divisions à l'occasion ou bien je suis juste bon là? Ce serait bien un pot de troupe, hein. Je dis ça, je dis rien, hein. Le nombre de plages qu'il y a à défendre, c'est catastrophique. Putain, mais il veut pas upgrader ses avions. Je lui ai filé tous les plans, le Tsing, mais il veut pas améliorer ses avions. C'est très décevant. J'espérais qu'il améliore ça en avec les technologies de chasseurs au-dessus, mais il a pas l'air décidé. Dommage. Très dommage. Bon, combien j'ai de divisions sur le front? Ok, j'en ai que 38, il m'en faut beaucoup plus. Donc il va falloir que je sois patient et que je continue d'améliorer. Tiens, une nouvelle division de garnison. Voilà. Hop, tu vas aller là-bas. Tu vas aller remplacer la milice que je vais pouvoir envoyer après à Machad. Allez, encore de la garnison qui sort. Magnifique. À quand l'invasion de l'Europe? Bah déjà, je vais essayer de battre le Russe. Et après, avec le russe, attaquer l'allemand, ça va être le gros morceau, hein, parce que rappelez-vous que l'Europe est allemande, hein, tout ça, c'est du mignon, je vous laisse imaginer, là. Je vais peut-être me faire nuker à la gueule, hein, en attaquant l'Europe, hein, mais on va y aller. D'abord, on va essayer de battre le russe. Chaque chose en son temps. Soyons patients. Attendez, j'ai un petit truc à voir rapide. Hop là. Ah! Display capture, ok, c'est bon. Hop là. Désolé. Technologie, c'est bon. Bah, maintenant que j'ai quand même. J'ai 7 équipes de tech, ce qui est extrêmement appréciable. 7 équipes de tech, c'est chouette, hein. Donc là, mes motorisées, elles vont être simplement. On va les mettre dans les marécages. Ouh, mécanisé 1942. Ça, c'est chouette. Mécanisé, pardon, 1948. J'ai du mec 48, quoi. Mécanisé 52. Allez. On va faire la cavalerie 1946. Pff, énorme. Von Sternberg en 46. La menace mongole. Putain, j'ai encore fait de la merde. Pépé, dégage ça, je ne vois rien. Voilà. Pépé, comment on fait pour améliorer les relations? Tu vas dans... Tu cliques sur le pays, attends. Par exemple, là, si je veux améliorer mes relations avec l'allemand, je vais sur l'allemand et je clique sur Influence Nation. Et ça va améliorer... Son, ça va améliorer sa façon de penser par rapport à moi. Alors, le traité de paix avec le Venezuela est terminé. Oh, regardez! La première division jordanienne! Milice 48! Le jordanien commence à sortir des divs, il a 5 pp! Oh, ça fait plaisir de voir les IA sortir enfin de la viande. Oh là, pareil! La première division! La première division de l'Union du Mali! Et là, regardez la première. Les divisions des minions commencent à sortir. C'est génial. Je vais pouvoir commencer à bétonner les plages avec les minions. Donc l'Algérien, c'est aussi sorti? Ah bah non, forcément. Putain, mais le Venezuela qui me déclare la guerre. J'ai même la première division tunisienne qui est là. Ça y est, ça commence à arriver. Les divisions des minions. Ah, la Bizerte, il faut que je protège. Hop là. Il y a tellement de plages à défendre. L'Algérien! Forcément, l'Algérien avec 11 pp, il m'a rien sorti, hein. Quelle surprise. Libère le Niger. Je peux libérer le Niger? Hop là. Népal, non, j'ai pas le Niger. J'ai plus rien en Afrique à libérer. J'ai tout libéré. Je suis en train déjà de faire d'améliorer mon armée entièrement. C'est du boulot.
Le Tsing. Putain, le Tsing qui me donne des... l'infanterie. Putain, l'équipement tropical. C'est beau. J'ai 27 divisions là sur le front. Ça, ça va être mon corps d'attaque principal. Hein. J'ai que du lourd. Hein. Motorisé 45. Cavalerie mécanisée. Tank 40. C'est la plus belle armée que j'ai jamais assemblée. Hein. Et il y a encore qui va arriver. J'ai encore beaucoup de divisions. Ah bah non, en fait. Putain. Mais ouais, j'ai tellement de divisions de garnison. En fait, j'ai tellement de divisions qui sont maintenant occupées à faire de la défense de plage. J'ai 108 divisions qui protègent mon empire. C'est-à-dire les trois quarts de mon armée protègent mon empire. Ce qui est extrêmement problématique. L'Algérien! Les divisions! Les glorieuses divisions algériennes qui viennent de commencer à arriver! Oh, c'est beau, les mignons qui sortent de la div. Regardez ça. Il m'a sorti de l'infanterie légère 48. Ça fait de la viande, hein? C'est cool, hein? J'attends avec impatience. Ouais, mais ils font tous des avions. Arrêtez de faire vos putains de chasseurs 1916, là! Envoyez-moi des vrais trucs, merde! Ici, il y a mon artillerie, là-haut de la... Hop. T'es en train de te... Oh, oh non. Ça va sortir. La petite division algérienne. On va l'envoyer... Ouais, 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 allez. Voilà. Et on va même prendre ma cave. Toi, t'es en train d'être converti... Ouais, t'es en train d'être converti en char moyen. Tu vas filer direction... La Perse. Voilà. Assemblage de bateaux. Putain, j'en suis réduit à faire ces techs. Ces techs, quoi. Tropical Equipment, non, tant pis pour ça. Agriculture 1950. Putain, on y arrive, hein. Allez, hop. Agriculture 1950, hein. Soyons fous, hein. Hop, voilà. Quoique, non, 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 mais ça sert à rien que je fasse des techs aussi évolués, vu comment mes équipes sont merdiques. Autant continuer à développer les tanks. Tank 1943. Voilà. Hop là. Des tanks toujours plus modernes. Mais c'est ça, je vais relancer une ligne, deux lignes de garnison. Deux lignes de garnison. Voilà. Et on va même pouvoir... Voilà. Ah bah ici, on est presque bon. Le supply, j'en ai plein le stock, je peux me permettre de taper un peu dans le négatif. Mais voilà, on a des nouvelles divisions perses qui arrivent. Et ça va venir remplacer tous mes singes. Voilà. Voilà, on va libérer de la milice. Trois nouvelles garnisons allemandes qui vont aller en Afrique. Libérer entre autres, ici à Tripoli... Les 4 divisions de Tsing. Attaque à Ashvaz. Il revient. Il en redemande. Alors toi, mon gars. Ouh, free trade. On va continuer à partir. Ah, je peux pas partir free market. Open society. Toujours plus interventionniste. C'est toujours bon d'être interventionniste. Hein. Voilà. Surtout vu que je déclare la guerre à tout bout de champ. Je vais aller aider mes divisions ici. Là, j'ai une garnison qui est prête. On va aller aussi aider. Ah bah les fonctionnaires, on va les mettre au travail, hein. Regardez-moi cette belle division jordanienne, ça fait plaisir. Imaginez quand je vais avoir une armée algérienne, quand je vais avoir la grande coalition africaine qui va débarquer en Europe, ça va vous faire drôle, hein. Vous êtes pas prêts pour ça, hein. Bon, faut pas que les Américains débarquent, hein, parce que s'ils débarquent, je me fais wiper, hein. Donc non, 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 il y a quoi? Il y a... Putain, il y a du Montagnard 45, Infanterie 45, Infanterie 48. Il y a la Black Watch, au secours. D'accord. Voilà, là j'ai mes divisions perses qui sont en train d'arriver. Et éventuellement, je vais passer en offensive et j'ai envoyé ma milice. Oh, je vais les repousser facile. Eh ouais, là, il n'y a pas de troupes de Marines. Les Marines, ça donne des énormes bonus au débarquement avec le bon commandant. Là, il n'y a pas de Marines. Je vais leur rouler dessus. Plutôt allemand que de devenir africain. T'as un galpin, t'inquiète pas.
Tu vas aimer mon multiculturalisme pan-africano-asiatique. Je vais t'apporter les joies du multiculturalisme, moi. C'est qu'une question de temps avant que tu aimes les petits zizi jaunes et les gros zizi noirs. Gale pas. Sois patient. Oh là là. Ça fait plaisir de voir des divisions. Hein. Encore de la garnison qui sort, c'est parti. Bon, là, l'Américain, il passera pas. Il est en train de se saigner. Allez, perds tes mecs, voilà. Au revoir. Et j'aurais même une nouvelle unité opérationnelle. Ah, t'as si nuke des plages. Alors non, nuker, c'est difficile, hein. Il faut avoir les bombardiers. Enfin, tu fais pas apparaître une nuke sur la carte, quoi. Il faut soit des V2, soit il te faut des bombardiers stratégiques. Donc vraiment des trucs spécialisés. Et là, on est qu'en 40... Ouais, on est en 50, hein. En 50, t'as les strats pour le faire sans problème, hein. Voilà, mes petites divisions perses. Avec de l'infanterie 48 et tout, magnifique. Victoire à Ajvaz. Au passage, j'ai un nouveau corps de garnison qui est prêt. La moto qui va rester en réserve ici. Une milice qui va partir direction le front russe. Voilà. Ah putain, avant j'avais le renseignement sur le russe, je n'ai plus le renseignement maintenant. C'est fort dommage. C'était chouette d'avoir une avance tech là-dessus. 160 PP, 1 800 000 de MP en réserve. Bon, la guerre en Russie, ça va faire très très mal hein, quand ça va commencer. Hein. Tac tac bomber 1924. On continue la marche vers l'avant avec les intercepteurs. Allez, intercepteur 1937. Putain, je vais bientôt avoir des avions, hein. Je vais bientôt avoir des avions, hein. L'Empire jaune à la Blake et Mortimer complètement. Complètement. Alors, ici, qu'est-ce que c'est que ça? Allez, on va prendre les trois divisions de milices, enfin les légères, et on va commencer à préparer le front au nord. Il y a tel le front est tellement gigantesque face aux Russes. Oh, tellement gigantesque. Voilà, garnison, c'est prêt. Hop, on va pouvoir envoyer ça à Alexandrie, parce qu'il y a des unités que je voudrais bien récupérer. Toutes les unités de Tsing, là, c'est des unités qui font la guerre avec moi depuis très longtemps. Elles ont... Regardez, là, le QG de Tsing, il a... Tsing, il a 40 d'expérience, quoi. Là, je vais récupérer ce QG de Tsing, et il va partir en Russie défendre Oulan-Bator. C'est les Chinois qui vont défendre Oulan-Bator. Voilà. 20 pp l'Égyptien! 20 pp! C'est un régal! Maintenant, il lui reste plus qu'à Shed Dadiv. Et moi, je suis à 162 pp! Ça monte! Le russe a des alliés. Je ne crois pas qu'il ait d'alliés. Hein. Le russe, il est. Il a. Non, personne ne l'aime. Il a un embargo commercial sur l'Islande. Au secours. L'Islande qui est indépendante. Ouais, c'est ça. Putain, tout le monde a mis un. D'accord. Personne n'aime l'Islande, visiblement. C'est triste, ça. Pourquoi personne n'aime l'Islande? C'est chouette, l'Islande. Cavalerie 1946! Toujours plus de tech! Air Doctrine. On va continuer à faire les techs d'aviation. 4-4-4, ça va être rapide à faire. Hop là. Maintenant que j'ai cette équipe de tech, je peux investir un peu dans l'aviation. Peut-être que pour affronter l'Allemand, j'aurai quelques avions. Peut-être. Oh là là, attendez. Je me fais attaquer par des avions australasiens. Mais bon, je suis retranché, il m'a tué un mec. Il m'a tué un mec. Ou alors, je crois que c'est même moi qui lui ai tué un mec. C'est ridicule. Oh, une nouvelle division égyptienne! Magnifique. Oh, l'IA qui régale. Ok. Putain, ici, pourquoi cette milice, elle est pas sur le front? On va venir défendre à Murène. Je présume que là, on peut toujours passer. Ouais, on peut toujours passer. Il n'y a aucune province infranchissable. Le russe peut-il avoir une nouvelle révolution? Non, non, je pense.
Le Canadien échoue à obtenir des ports pour récupérer l'Angleterre. D'accord, je comprends. C'est des events. Attends, mais là, c'est des divisions jordaniennes ou des divisions... Putain, la Jordanie et la Chimite qui ont presque le même drapeau, en fait. La Jordanie a l'air d'avoir un petit... Voilà, il y a une petite étoile. Regardez! Ils font chier, quand même! L'originalité, là, dans le coin! Vous pouvez pas avoir des drapeaux un peu moins semblables? Hop là. Bon, j'ai... On va produire de la garnison. La garnison, là, c'est lancé. J'ai 4 lignes de garnison, une ligne de tank. Et je suis en full gearing bonus. Donc, je produis très, très vite mes tanks. Pareil pour la moto. Je dois être en full gearing bonus. Pas encore. Garnison 45. Ah non, j'ai une. J'ai 5 lignes de garnison. Tu m'étonnes que j'en sorte à fond de la garnison, quoi. Là, j'ai mes divisions égyptiennes qui sont prêtes. Donc là, c'est mes divisions hachimides. Ouais. Bon, après la session dernière qui avait été très dynamique, ça fait plaisir d'être un peu tranquille. Ouais, mais aller un cran plus vite. C'est parti. On attaquera peut-être au printemps 51. Ouh, des nouvelles divisions égyptiennes. Oh, l'égyptien, il régale maintenant. Alors, attendez. Parce que là, je voudrais bien commencer à avoir des vraies divisions bien mises ensemble. Voilà. L'infanterie égyptienne, on va la mettre ensemble. Parce que là, j'ai que de la merde dans l'unité. J'ai une légère, une cavalerie. On va pouvoir commencer à sérieusement rassembler les unités. Oh, de la nouvelle division! De la nouvelle division libyenne. Le Libyen, as-tu quelque part? Ne me dis pas que c'était ta première division, le Libyen, quand même. Bah, visiblement, si. Bon, bah, on va te mettre en réserve. Moi aussi, j'ai de la garnison qui arrive. Magnifique. Ça va aller très très vite, hein. Là je chie de la troupe. Hop là, on verra la météo avant d'attaquer. Allez, un nouveau Kortzing qui part direction... on va aller là-bas. Hop là. Et je commence à avoir des chars moyens. Regardez-moi ça, j'ai du char moyen là. Poum poum. J'ai des chars... J'ai des chars 1939. On est en 1950. J'ai tellement une armée de singes que c'est magnifique, en fait. Putain, ouais, là, pour me faire des avions, l'autre, là, il est fort. Hein. Putain, s'il pouvait arrêter de me faire des avions. Oh, 3 divisions égyptiennes. Regardez-moi l'égyptien qui me chie de la div. Il régale, l'égyptien. On va pouvoir commencer à remplacer, entre autres, ici. J'ai un corps d'élite que je voudrais renvoyer en... Alors, industrie, ça, on va le faire tout de suite. Parce que c'est vrai que je crois que c'était Roy qui m'avait dit que de finir plante 45 pour avoir plastique. Ce qui est une très très bonne idée. Voilà, c'est parti. Là, j'ai fait baisser tout mon descent. Bon, ici, on va économiser quelques points. Hop. Early Rocket Artillery, magnifique. Le Tsing qui me donne des techs. Voilà. Abandonne la modernité, rejoins la jungle. Oui, mais... Hey, avec tout ce que les IA vont me sortir comme viande, et ça a déjà commencé, je vais pouvoir bientôt envoyer toute mon armée mongole. Putain, regardez-moi les bateaux. La technologie navale de PP. Troopship 1941. Encore de la garnison qui est prête. Ça fait drôle d'avoir un pays pour de vrai. Hein. Je t'ai pas habitué, hein. 40 000 d'essence. Je suis en train de faire des stocks d'essence. Je peux monter maintenant à 121 000 de stockpile. J'en fais 174 par jour. Bakou. Bakou est à pleine production. 108 par jour. De même pour les 3 provinces perses. 15 par jour. 19. Et 7. Et il y a aussi le pétrole irakien. Mais non, mais ça c'est l'Irak. Mais attends, l'Irak aussi fait de la div. L'Irak. J'avais oublié que j'avais libéré l'Irak. Regardez l'Irakien qui sort aussi des petites divisions. Non mais c'est quoi ce drapeau de merde? Il a 2 étoiles! Comment je fais la différence en rapide clic entre l'Irak, la Jordanie et les Hachémides? Putain mais genre l'originalité ça les étouffe dans ce coin. Oh, une division syrienne. Non mais la Syrie aussi! Merde! Syrie, Jordanie, Hachémide, Irak. Ils ont tous les mêmes logos de merde. Attends. Mais il y a le Liban aussi!
Ils me sortent tous des divs. C'est génial. Hunter Groups. Putain, mais au niveau infanterie. Montagne 48. 50... Motorisé 48. On va faire. On va débloquer la motorisée 48. Voilà, c'est parti. Ils se ressemblent tous. Ils ont tous le même drapeau dans le coin. Bah, les Bédouins, bah ouais, on va pas leur demander d'être original, hein, au chamelier, là. Mais bon, tant qu'ils me sortent de la troupe, moi, je suis content. Tant qu'ils me sortent de la troupe, je suis content. J'ai encore un bateau qui vient de sortir. Vous vous rendez compte? PB commence à avoir une flotte de guerre. Ce sont mes premiers bateaux depuis que j'ai commencé la game en 36. Et y a, dans l'eau, il y a des voiliers. Il y a des putains de voiliers. Oh, c'est désespérant. Une nouvelle division perse qui est arrivée. Oh là 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 là, ça régale. Et de la division opérationnelle, de la garnison qui va partir immédiatement. Oh, le Liberia! Le Liberia m'a aussi sorti une division! Mais ils vendent du rêve, tous ces gens-là! Toi, t'es qui? T'es l'Égypte. L'Égypte. Alors, ma garnison. Voilà. Tu vas aller relever de l'infanterie allemande là-bas. Et ici, on va reprendre mon artillerie lourde qui va partir sur le front russe pour soutenir l'attaque ici. Voilà. Encore des tanks qui sont opérationnels. Eux vont directement se préparer là-haut. Voilà. Encore de la garnison. Alors là, je peux vous dire, c'est lancé, hein. La machine. TP n'a pas encore trouvé de pétrole. Bah, le Kurdistan, je m'en fous, hein, pour l'instant. Oh là là, mo division motorisée. Des bits! Oh, et 500 bits! Infi, putain! Mais t'es chaud, Infi, hein? Une machine, Infi, hein? Une machine à bits, j'allais dire. Pardon. Putain. Merci, Infi. T'es pas arrivé en retard, Infi, en plus, hein. Vous vous rendez compte de la quantité de drapeaux et d'unités que j'ai? Le multiculturalisme des divisions. C'est génial. Là, j'ai une autre division. Merde. Là, les divisions égyptiennes sont arrivées. Je vais commencer à. Hop, voilà. La division du. Faut voir que là, tous mes minions africains ont déjà fait quasiment 10 divs, hein. 10 divs. Quand je voudrais bien que le Tunisien avec 11 PP et l'Algérien avec 19 PP soient plus efficaces pour me sortir des divs en fait. Je suis un peu déçu pour le moment, mais bon, faut être patient, ils vont en faire des divs. Là pareil, le Syrien, le Jordanien, ils vont me faire des stacks. Enfin j'espère. Parce que bon, je voudrais pas. Malheureusement, on peut pas dire aux IA, je voudrais bien leur dire, vous faites ça, arrêtez de faire des avions pourris. Oh attendez, j'avais pas vu ici, mais j'ai fini de la tech. Air Doctrine, on va continuer à faire des techs 1939, hein, des techs aériennes 39. Le GDMI. Alors, Infi, figure-toi que les minions ont mon GDE, parce qu'ils ont mes techs terrestres. Les IA ont un excellent GDE. Quoique là, en 50, le GDE a été rattrapé par les autres aussi, hein. Infanterie 51. Land Doctrine. Oh là là! J'ai les visions nocturnes tactiques! J'ai les techs de vision nocturne pour le mouvement la nuit. Ça donne des énormes bonus de mouvement la nuit. Ce qui devient extrêmement intéressant. Est-ce que j'ai des mecs pour faire ça? Ouais, j'ai des mecs. Je pars tout de suite sur ça. Hop là. Mais oui, les Maliens ont mon GDE. Mes mignons, ils vont tenir le terrain. Hein. Défaite. Oh non, oh non, oh non. Désastre. Et merde, j'ai pas vu! Ça attaque les minions et pas moi! J'ai trois divisions mécanisées américaines qui viennent de débarquer. On va envoyer de la motorisée à El Jaf. On va faire les fonds de tiroir. On va prendre toutes ces divisions qui sont sur le front russe. Il faut surtout pas qu'il aille prendre les points de contrôle. Aïe 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 aïe! Il m'a wipé de la div, hein, ce FDP, hein. Ça me fait chier ça. Il va essayer d'aller annexer directement le. Fuck. Fucking fuck. J'ai la milice jordanienne qui est pas loin. Hop.
J'ai la milice syrienne aussi. On va mettre les mignons au travail. On va mettre les mignons au travail. Tu as perdu une escadrille de chasseurs. Ouais, mais je m'en fous, c'est des chasseurs de l'IA. C'est souvent ça. Ah, mais merde, en fait, j'avais pas vu, j'avais oublié de protéger cette plage. Oh, mais j'ai pas vu ici, il y a des plages ouvertes partout maintenant. Il me faut plus de garnison, putain. J'ai pas assez de garnison. Bon, est-ce que vous pensez que la milice jordanienne va faire quelque chose face à 3 mécanisés américaines? Putain, advance medium tank. Allez, toujours plus de tank. Tank 45. Voilà, c'est parti. Oh mais regardez! Merde! Qu'est-ce qui lui prend à l'américain de me tomber dessus comme ça, là? Il y a une méca, j'ai peut-être une chance. Mes divisions perses passent à l'attaque. Allez, c'est du temps! Non! C'est ça, c'est du mécanisé canadien. C'est une blague. Prêté à l'américain. Alors toi, mon gars, tu vas dégager d'ici en vitesse. N'y pense même pas. Putain, l'invasion de la Perse par l'Amérique, par de l'Arabie Hachémite par l'Américain, on aura tout vu. Allez, là je le dégage. Boum! Wipé! Au revoir! Tu l'as voulu, tu l'as eu. On redéploie de la viande. Allez, les divisions libanaises. Putain, c'est... une division de garnison, parfait. Hop, 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 hop. Je vais t'envoyer commencer à protéger les plages d'Abu Dhabi. Putain. Ok, la Jordanie est arrivée. Je ne vais pas attaquer 3 divisions mécanisées américaines. Oh, quoique. Attends. J'ai ma moto qui vient d'arriver. Hill Fighter, allez, voilà. Je vais attendre que le Riyad... Ok, pause. Mes troupes sont arrivées à Riyad. Je pense que, vu que j'ai perdu pas mal... Non, mais ça va, il a pas d'orgue. Je vais lui tomber dessus. Hop là, c'est parti. Ah non, il n'y a pas... C'est bon, victoire instantanée. Ok, j'attaque. Ici, on va supporter l'attaque à Médine. Et on va le dégager. Alors, en fait, il n'y a pas que 3 mécas. Putain, il a de la méca 48 avec des SPG, donc des canons de l'artillerie portée. Infanterie 40... US Marines 49 et infanterie 46. Il a tellement des belles troupes et ça va tellement dégager. Bah ouais, mon gars. Voilà. Moi, je te dégage avec de la cavalerie semi-motorisée. Au revoir. Voilà, wipé. Ou alors il a rembarqué. C'est bon. On va mettre des troupes à Doha. On va les reprendre d'Aman. Voilà. On va envoyer la cavalerie. Donc vous voyez que j'ai un gros problème de division. Hein. J'ai un gros souci de division. Hein. Je crois que j'ai des nouvelles divisions algériennes qui sont arrivées. Oui, ah non, c'est les anciennes. Zab, Volik Miou, 22 mois, Volik Miou. Impressionnant. Très impressionnant, 22 mois. Putain, 22 mois, ça fait presque 2 ans, quoi. Alors là, j'ai des divisions allemandes qui vont partir pour le front russe, parce que même si je dois faire face à des débarquements, il faut que je prépare la guerre contre le russe. Voilà. En Inde, je suis pas attaqué. Je vais me permettre... Oh non, non. Faut pas que je joue avec le feu. Faut pas que je joue avec le feu en Inde. Je suis ric-rac, déjà. Je suis ric-rac. Oh, mais attends. Est-ce que c'est... Ah non, c'est des Libanais. Putain, l'Américain qui retente sa chance avec de la motorisée 48. Ça suffit. Ça suffit. L'Américain devient empoisonnant. Il y a de la TGM. Ouais, il me semble que sur les techs, les dernières techs, il y a de... les techs d'équipement d'hiver et compagnie. Non, non, ça, je m'en branle. La guerre sera terminée pour l'hiver. Ça me rappelle quelque chose. Merde, attendez. Il y avait des combats que j'ai pas vu. Ah non, c'est bon. J'ai repris Médine. Voilà, j'ai repris Médine. Toi, tu repars sur le front russe. Sari. Voilà. La motorisée, elle va rester ici en réserve. De la garnison allemande qui... De la garnison allemande. De la garnison mongole qui sort. Ok. Les mignons commencent à prendre leur lait. Mais c'est très lent. Oh là là, qu'est-ce qu'il est lent. Pourtant, ils ont des PP. Hein. L'Algérien a 19 PP. La Tunisie, 11.
Ils ont des pépés, ces connards là. C'est juste qu'ils les utilisent pas pour faire ce que je veux. Ils font des putains d'avions. Regardez! C'est le meilleur avion de toute mon armée! C'est un biplan intercepteur 1930! L'Algérien a la fine fleur de l'aviation mongole des escadrilles 1930. J'ai jamais vu ça! Vous vous rendez compte? J'ai jamais vu ça! On est en 1950! Oh, c'est désastreux! C'est désastreux! Bon, là, j'ai beaucoup d'unités, là, ce qui est très chouette. Je vais pouvoir envoyer un gros tas d'unités, voilà. Allez, tout ça, vous allez venir protéger la plage, ici. Là, on a des troupes qui commencent à arriver. Là, j'ai ma milice qui va venir protéger Daman. Ma moto va rester là pour défendre, on sait jamais. Ok, pas mal. On va remettre un cran plus vite. Et on va continuer d'upgrader l'armée. Est-ce que je serais pas coquille? Est-ce que je diminuerais pas ma MP? Je fais beaucoup d'MP. Et est-ce que... Là, en fait, la plupart de mes ministres sont spécialisés dans la MP. Par exemple, là, celui-là me donne plus 10% de MP étrangère et plus 10% de croissance de la MP. C'est grâce à ce ministre, entre autres, que j'ai autant de MP et aussi grâce à von Sternberg. Est-ce que je ne serais pas coquille et je partirais pas sur foreign use plus 10% de lycée étrangère? Pour avoir beaucoup. Par contre, je vais perdre 10% de croissance de l'AMP. C'est un pari. Ou alors là... Ouais, là, j'ai moins 15% de l'AMP étrangère. 10 cents grosses plus rate. Intéressant. On va prendre celui-là. Allez, allez. À combien... Est-ce que je vais aller à 200 PP? Les IA savent pas backstab. Si, des fois, si, mais c'est pas U4, en fait. 184! 184 PP! Je viens de prendre beaucoup... Beaucoup de PP. On va pouvoir relancer éventuellement une nouvelle garnison. Voilà. Et au passage, est-ce qu'on ferait pas mes... Je ferai pas mes premiers avions 1937 que j'améliorerai au fur et à mesure. 12 escadrilles serait le rêve que je mettrai en upgrade. Voilà. Ouf. Ouf. Éventuellement, va falloir que je rajoute... Ouais, c'est bon, ça descend. Parfait. J'ai des avions japonais. C'est magnifique. Regardez-moi ça ici. Allez, la cavalerie mongole, elle repart dans... face aux Russes. Bon, j'ai mes légions de minions. 3 pays différents. Syrie, Jordanie, Irak, Liban. Vous vous rendez compte comment ils s'aiment tous au Moyen-Orient, sous mon joug éclairé? Vous imaginez tous ces pays, ensemble, aujourd'hui? Je leur laisse pas trop le choix. Ils ont pas trop le choix. Allez, encore des bateaux qui sortent. Et des convois. Pépé est en train de se doter d'une flotte. Hein. Quelques petits bateaux, on crache pas dessus. J'ai une première flottille de transport. Et des convois pour commencer à ravitailler. Donc j'ai déjà 70 convois. 70 convois. Je serai en mesure de lancer à l'occasion un débarquement. S'il n'y a pas de troupes ennemies ou pas de flotte ennemie. Ce qui serait hautement improbable. À ce moment de la guerre. Allez, de la milice 48. On améliore tout. Mais ouais, ils font chier à avoir tous les mêmes drapeaux, là. Ça les tuerait d'être un peu original. Allez, toujours plus de garnisons qui sortent. Là, on va envoyer de la garnison à Doha. Voilà. Oh putain, regardez toutes les upgrades en milice. Toutes mes unités qui s'améliorent. Putain, regardez la Perse qui est en train de faire tactique de vision nocturne. 36%. La Perse de 1950, vassale du Mongol qui fait les tactiques de vision nocturne. Hein. C'est beau. C'est magnifique. Le futur, messieurs, dames. Le futur. Infanterie. Infanterie de montagne 48. Bon, j'ai 4 divisions de montagne, mais j'ai les plans, ça va aller très très vite à faire. C'est parti. Voilà.
Alors, ouais. Troopship 1941. Alors, attends, les techs navales. Il y en a qui sont intéressantes, qui sont la logistique navale pour gagner de la portée. Voilà, une naval unité. Voilà, logistique navale. On va faire ça. C'est de la tech 1910. C'est ridicule! Je fais des tech 1910! 1910! Putain, on est en 1950. Ah, le Venezuela m'avait redéclaré la guerre! Bah, j'accepte, hein. Regardez mon essence, à quel point ça va vite! 60 000! Et j'ai encore de quoi remplir tous mes stocks! Putain, l'Algérien qui me sort la grande arme. Attends, mais le Tunisien aussi? Oh, le Tunisien m'a aussi fait des avions! D'ailleurs, regardez la Tunisie, à quel point le jeu est buggé. Qui est mon mignon? Il est sous administration italienne. À Abidjan, j'ai fait des pertes. Et ce sont des Italiens au pouvoir en Tunisie. Regardez. Ils considèrent que, en fait, la Tunisie est sous mandat italien, sauf qu'il est sous le glorieux mandat mongol. Alors, on a cassé le jeu, là. On a cassé le jeu, hein, complètement. Je pense qu'ils sont tous en train de me faire des avions, ces cons, là. Oh, regardez, de la division égyptienne. De la division égyptienne qui vient de sortir. Je prends l'égyptien qui est à 21 pp. C'est que... Oh, et le perse aussi! Oh, le perse qui a déjà un corps plein. Alors, attendez, là, j'ai un coup à jouer. Infanterie, infanterie. Oh, deux divisions perses! Attends. Il m'a sorti de la cavalerie blindée, le perse! Bah, ça va les remplacer, par exemple, ma moto qui est ici. Et on va commencer à installer un corps... Attends, il m'a fait des avions aussi, le Perse. 1916, mais va te faire. Ah, la fameuse campagne 1943. Éventuellement, je proposerai à Glaps, quand on aura fini la campagne japonaise, je proposerai à Glaps s'il est intéressé de faire la revanche. La revanche sur cette campagne. Alors, industriel. Plant 1945, c'est parti. Infanterie. Infanterie 51. Non, on va pas la faire tout de suite. Par contre, des Marines. Commencer à avoir des Marines pour penser à débarquer. Oh, mais j'ai aucun mec spécialisé là-dedans! Ok, il me faut au moins les Marines de base. Les Marines de base. Putain. J'ai jamais vu la mer. J'ai aucun mec, aucun, avec un truc fait pour développer quelque chose lié à la mer. C'est pas possible quand même. C'est pas possible d'être aussi nul. Putain, et le Tsing qui veut pas améliorer ses avions, ça me fatigue. Hein. Allez, j'ai encore besoin de garnison. Hein. J'ai désespérément besoin de garnison. Bon, là, visiblement, les débarquements se sont calmés. Les débarquements se sont bien calmés. Est-ce que ma motorisée... Non, je vais attendre... Ah, garnison, voilà. Toujours plus de garnison. On va partir en Inde. Le Perse qui me donne, d'accord, des têtes que je connais même pas. Mais attends, mais il n'y a pas de plage ici, s'il y a une plage. Voilà, c'est parti. Alors, attendez, j'ai une petite pause à faire. Sinon, les unités vont peut-être être wipées. C'est un des bugs du jeu. Oh là là, regardez-moi ça! J'ai des... C'est magique. Je commence à avoir une belle armée perse aussi. Hein. Maintenant qu'ils ont leur PP à fond, là, ils vont... aller... Oh là là! Un HQ! HQ, le perse! L'égyptien a sorti un HQ! Mais quel beau gosse. Quel beau gosse. On va envoyer le HQ à El Arish. Putain, mais bientôt, les unités africaines qui vont arriver... Attends. Qu'est-ce qu'il y a ici? Ah oui, c'est les avions... Attends, mais il a sorti deux escadrilles! Il a sorti deux escadrilles. Ah non, une. Ah, c'est trop beau pour être vrai. Par contre, il a sorti deux unités. On commence à avoir une armée algérienne aussi. C'est épique. Le Tunisien qui m'a aussi fait des avions. Oh là là. Toutes mes divisions africaines. Bon, là il slack un peu, par contre. Le FLN, mais le FLN, je les ai matés. Le FLN, ils sont heureux de m'avoir comme libérateur. Allez, je prends le risque de renvoyer ma motorisée 42. D'ailleurs, ma motorisée, elle va aller avec le corps principal. Toute ma mobilité. Maintenant que les IA commencent à réussir à se prendre en main, ça va être très très pratique. Putain, c'est 4 divisions égyptiennes avec un HQ. C'est du régal, quand même. Hein. C'est du régal. Hein.
Ah putain, mais oui! Regardez! Pour ceux qui n'auraient pas fait gaffe, la plage! La plage de Bona! Abidjan, je suis attaqué. Débarquement à Abidjan. Merde, merde, merde. J'ai pas. On va envoyer les Somaliens. C'est pas les Somaliens, c'est. Les Guinéens, pardon. L'Américain tente un débarquement. Et on va envoyer en urgence le Libéria. C'est l'Afrique qui va protéger l'Afrique, hein. L'Égyptien est attaqué par une division 1948. On va protéger ça. Je pense qu'il y a moyen de repousser sans trop de problèmes. Abidjan, voilà. Hop. Oh, des nouveaux tanks. Une nouvelle division blindée. Et de la. Oh là là, de la motorisée aussi. Magnifique. Voilà, j'ai plus de Panzerleader, malheureusement. À ma grande tristesse. La motorisée, on va la mettre en place en Perse, comme ça elle pourra défendre éventuellement au cas échéant. Alors, encore de la garnison et encore des bateaux de transport. Pépé qui fait des bateaux. Oh. Quand j'ai commencé cette game, si on m'avait dit que ça partirait comme ça, j'aurais sûrement pas cru. Encore de la garnison. Comment ça se passe à. Attends, attends, voilà, c'est bon. J'ai gagné! L'Égyptien, le Libéria et le Guinéen ont repoussé une division américaine! L'élite de l'Afrique! Incroyable. Ils sont trop bons. Putain, je commence à avoir des milices 48, c'est épique. Voilà, attendez, j'ai beaucoup de techs qui se sont finis là. Air Doctrine. On va continuer à améliorer les techs. Voilà. En avion, je voudrais bien commencer à avoir des bombardiers navaux. Faire des bombardiers navaux. Parce que les bombardiers navaux, quand j'aurai peut-être le Japon et compagnie, avoir des bombardiers navaux pourrait être intéressant. Tank semi-moderne. Vous vous rendez compte des trucs que je fais? Oh, MBT 1948! Ah, il est temps d'avoir des chars de bataille 1948. Alors que je viens de sortir des chars 36. Ah bah je suis le libérateur, hein. Il m'acclame, hein, comme tel, hein. Quand vous ne pouvez pas tester, hein. Vous êtes jaloux. Allez, encore de la garnison qui sort. Voilà. Trois divisions de garnison opérationnelles, magnifique. On va venir remplacer entre autres les milices qu'il y a ici. Comme ça, ces milices vont pouvoir partir sur le front. Encore de la garnison qui sort. J'ai. Ça, on va foutre ça avec de la milice 38, voilà. Magnifique. Attends, pourquoi mes tanks? Oh, mais ils sont en train de se convertir! Regardez! J'ai des tanks 1941! C'était de la cavalerie, ils ont été convertis! Magnifique. Général Haussmann, Batur, qui est pas dégueu, hein. Doctrine offensive, Trickster, Hillfighter. Malheureusement, c'est pas un commandant de char. Et j'arrive sur mes 200 PP, hein. 200 fucking PP, hein. Par contre, je suis très déçu de la Syrie et compagnie. Non, mais ils m'ont fait des avions, t'es sérieux? Oh, regardez, le Liban! Le Liban m'a fait des intercepteurs 1918. Je déteste ma vie. Arrêtez de faire des chasseurs pourris! Putain! Battle of Doctrine, on va partir sur. Je vais pas faire des casses. Trof, voilà. Il a combien de PP le russe? Bonne question. Le russe est à 178 PP. J'ai dépassé le russe en termes de capacité industrielle. Mais le russe a eu des PP beaucoup plus vite que moi, beaucoup plus tôt. Donc ouais, faut pas non plus monter dans les tours. Putain, ils ont tous fait des avions, leurs avions pourris là. Oh mais attends. Est-ce que j'aurai une nouvelle division? Non. Union du Mali, voilà, bon. Bouaké. Bon, l'Égyptien, le. L'Algérien m'a sorti deux divisions d'infanterie, Tunisien une. Incroyable quand même, hein. Mes Tibétains qui protègent la plage de Bona. Ça vend du rêve. Deux nouvelles divisions de garnison, parfait, ça va partir immédiatement pour le front et ça va les remplacer. Des troupes. Voilà. Où est-ce que. Ici, parfait, regardez-moi ça. Benghazi, j'avais de l'infanterie allemande. Ça va aller sur le front. D'ailleurs, t'es en train d'être. Infanterie allemande en train d'être convertie en mécanisée. D'ailleurs, je vais avoir le premier mécanisé qui va bientôt arriver. 96%, magnifique. Alors, ici, on va vous mettre. Je vais mettre ça à la milice 48. Je vais leur mettre de.
Voilà. Milice 48, je leur mets mes chevaux. Alors, milice 48, vous allez venir défendre le front ici. On est bientôt prêt pour le russe. Hein. Je sais pas trop à quoi je vais me frotter. Nouvelle division! Oh oui! Et je crois qu'en plus, c'est... ah non, c'était de l'infanterie, light infantry. Bon bah, j'ai de la division égyptienne qui est prête. En attente, on va la mettre à guiser. Et vu que là, je suis bien, je voudrais bien avoir mon corps d'armée. C'est le QG, ça? Non, il est là. Les 6 paillis, c'est de la cave. On va attendre que d'autres unités fraîches arrivent. Voilà! Il a plus de div, le russe? Très bonne question, Barnabou. On va aller voir ça de ce pas. 149 divisions d'infanterie! Ah ouais! Il a beaucoup, beaucoup de troupes. Il a beaucoup de troupes. En fait, il est en train... Je pense qu'il a une division d'infanterie sur chaque province. Parce qu'il est, en train de mater son descent. Donc mon but va être de le battre. Il aura tellement de rebelles dans son dos. S'il m'envoie toutes ses divisions. Moi, j'ai combien là? À l'instant T, j'ai 80 divisions sur le front déjà. 80 plus 9. Je suis déjà à presque 100 divs face aux... Russes. Plus même. Regardez, c'est encore en train d'arriver. Voilà, on va continuer à amener des divs. Toujours plus de divs. Faut surtout pas que je perde les provinces ici. En fait, le problème de ces provinces, c'est que c'est à ma frontière. Regardez les PP qu'il y a à cette province. 17 PP, 16, c'est mon cœur industriel. J'ai pas le droit de perdre ces provinces. Elles sont trop importantes. Donc je vais les blinder, ces provinces. Tandis que mon effort principal sera ici. Je vais essayer de dégager les aéroports russes. Le russe va à ce moment avoir beaucoup d'avions. Donc là, mon but va être de prendre ces aéroports pour l'empêcher de me taquer la gueule. Putain, j'ai de l'Advance Armor 1943, j'ai des tanks, je sais même pas ce que c'est. Pourtant, je suis en train de rattraper très vite mon retard en aérien, maintenant que je peux investir là-dedans. Intercepteur 1940, on va y arriver. Air Doctrine. Voilà, c'est parti. Encore de la garnison de prête. Toujours plus de garnison. La garnison, c'est la vie. Advance Armor 43. En Inde, je dégagerai bien ma... Ok, j'ai jamais... Non, ouais, j'ai pas envie de jouer avec le feu en Inde. Encore des bateaux de transport? Putain, je suis très déçu de certaines IA qui me sortent pas de troupes. Hein. Pourtant, elles ont beaucoup de PP, hein, donc elles slack. Hein. Elles doivent faire des putains d'avions à la con, là. Mais je leur envoie toutes les techs à ces connards, là! Regarde! Ils ont toutes les techs d'aviation! Mais ils les font pas, là! Allez, de l'infanterie qui part sur le front russe. On va aller à Cheetah. Voilà, j'aurais déjà une ligne de front correcte. Là, je couvre déjà tout le front. Rappelez-vous que dans ma plupart des guerres, je pouvais même pas couvrir l'ensemble du front. J'y allais YOLO. Là, c'est chouette de voir que je peux couvrir l'ensemble du front. Et que j'ai encore pas mal de réserves. Les IA commencent à sortir de la troupe. Nouvelle division tunisienne qui vient de sortir. Oh, et c'est de l'infanterie 48, s'il vous plaît. Pas dégueulasse. Et attends, c'est une division algérienne. Trois divisions algériennes. Trois divisions algériennes. Ça sort. L'IA commence à sortir de la viande. Ça fait plaisir. Avion, aircraft. On va sortir les intercepteurs 1940. On continue d'investir là-dedans. Voilà. Putain, quand je vais avoir mes premiers avions, ça va être la fête. Hein. Tu veux voir avec quoi? Ils dépensent leur PP. Ouais. Alors, le russe. Alors, attendez. L'espionnage, on va monter... Ah bah, je suis à fond en espionnage. Non, attends. Hop. Attendez, j'ai pas mal de trucs qui se font en même temps. Air Doctrine. Battlefield. Voilà. Alors. J'ai de la garnison qui est aussi sortie. Le russe. Dans quoi le russe dépense? Field Marshal. 33 escadrilles de chasse. 34 de bombardement. Putain, ils ont une armée absolument... Ouais, bon, après... Ah ouais, non, en fait, je les mange au niveau industrie. Ok, d'accord. On va voir. On va continuer de faire de la garnison. Attends, j'ai de l'infanterie allemande, là. Ça serait bien qu'eux, ils dégagent le plus vite possible. Oh là là, mes divisions tunisiennes. Allez, encore de la milice. Oh putain, 3. Oh là là, la quantité de garnison en train de sortir, c'est un régal. C'est du régal. Parce que là, je vais pouvoir commencer à envoyer des garnisons en Inde et récupérer les unités de Singh et tout, là.
Parce que j'ai beaucoup d'infanterie que j'aimerais bien que ça aille sur le front, quoi. Voilà. 190 pp, ça fait plaisir. Ah ouais, j'ai 6 lignes de garnison. On va continuer à en faire, hein. C'est parti, hein. Oh là là, je vais pouvoir faire plastique. Plastique! Plus 5% de production des ressources, c'est parti. Ça, c'est une tech qui va me faire boomer, en fait. Je vais boomer! Parce que je suis un boomer! Pardon, j'ai eu une longue journée. Allez, on va envoyer à Rangoon. Ah. Bah, j'ai l'arbre technologique allemand, hein. Enfin, ouais. J'ai le GDE allemand de la Seconde Guerre mondiale. Pas celui du mode. Encore des divisions algériennes! Putain, l'Algérien, il a été long à démarrer, mais c'est une machine maintenant. Il m'a déjà fait 4 divisions. Vous vous rendez compte? 4 divisions. Il régale, hein. Oh, plus 1% de prod. Je me régale. Une nouvelle division de la Guinée! Yamoussoukro! Et il me sort de l'infanterie 48, le machin, là! De l'infanterie 48! Mon alliance pan-africaine! Oh là là, 2 divisions d'infanterie algérienne. Je vais pouvoir libérer une division de milice. Voilà. Hop. Avec Aklemcen, le merdier. 3 nouvelles divisions qui vont pouvoir partir sur le front russe. Magnifique. Putain, mais qu'est-ce que vous faites, vous, là? Pourquoi vous me faites pas de l'infanterie? J'espère que vous me faites pas des bateaux, là. Putain, l'arabe, avec 5 pp, tu pourrais te bouger le bout, là. Les para-algériens sortis par erreur. Attendez, regardez. Oh, j'ai fini les tactiques de vision nocturne. Oh, je vais être infernal, même de nuit. Oh, regardez l'allemand, le deal qu'il me propose. Compte 145 d'essence. Mais ouais, mais c'est presque intéressant pour moi. C'est presque intéressant. Je vais l'accepter. Je vais l'accepter. Parce que je vais monter mes stocks d'essence à fond, en fait. Je vais être à 160 000 d'essence. Et après, j'annulerai le deal. Infanterie. 52 ingénieurs. Infanterie 51. Mécanisé 52. Bah, mécanisé 52, hein. On va continuer à améliorer tout ça. Hop là. J'ose pas regarder ce que produisent mes mignons. Oh, des divisions de Tsing! Des nouvelles divisions de Tsing! Et de l'infanterie, s'il vous plaît. D'ailleurs, là, j'ai de l'infanterie de prête. Ah non, c'est de l'infanterie légère. Oh, c'est pas grave. Il y aura un stack un nouveau stack là-bas, de dispo. Merde, j'ai pas vu ce que c'était. Zut. Garnison, peut-être? Ah non, de l'infanterie motorisée! Ma moto qui est en formation en Irak et qui me sert de corps de réaction rapide. Au cas où. Dogfight, je suis en train de bouffer les techs aériennes là, à toute vitesse. Hein. Hop là, c'est parti. Mes chasseurs, ils vont faire le boulot. Les futurs chasseurs mongols. Une nouvelle division irakienne vient de sortir. Alors, l'Irak. Est-ce que j'avais des divisions irakiennes de prête? Oui! J'avais une division irakienne, mais je me rappelle plus laquelle c'est. Iraqi Corps. Merde. Bon, c'est pas grave. Hop, irakien, on le mettra manuellement là-bas. Oh, l'arabe m'a sorti une division! L'Hachémide. Voilà, on va continuer de défendre les plages. Encore de la garnison. Des bateaux de transport. Voilà. C'est Pépé. Bah oui, c'est moi qui fournis le pétrole. Regardez, là, du pétrole, j'en fais plus que 18 par jour au lieu de 170. Donc là, regardez, mon énergie est en train de monter parce que j'avais un problème d'énergie. Oh là là! Encore de l'infanterie! Le Tsing est déchaîné! Un régal les IA qui bossent là. Alors attendez. Putain, ça va trop vite. Bombardier naval. Bon, bombardier naval, je vais pas sortir des foutes de guerre. Hein. Une 4, voilà. Là, je vais séparer les unités. Parce que là, j'ai. Alors! Irakis, Irakis, Irakis. Hop! Voilà, 2 divisions irakiennes ensemble. Magique. Interdiction de la doctrine, air doctrine, non. Strafing.
Aircraft, on est en train de faire. Seaplane, ok. Naval Bomber 24, ça m'intéresse. Putain, c'est des quiches, hein, mais c'est pas grave. C'est pas grave, j'ai tellement de retard, de toute façon. Monrovia, débarquement. Je le repousse, c'est une division de la garde nationale. 48. Oh là là, l'infanterie, il débarque face à de l'infanterie allemande à Monrovia. Au revoir, Mokhtar. Arrache-toi de là. Oui, tu donnes naissance aux Boches, absolument, mais c'est le but. Oh là là, regardez. Mes premiers corps africains. Oh là là, mais attends. Il m'a fait des avions. Groupe de chasse 22. Avec le maréchal, wow, c'est nous. Regardez-moi ce beau gosse. Le maréchal Ouseinou. Enfin, il est général. Et j'ai une nouvelle division de l'Union du Mali. J'ai mon premier corps d'armée. Quasiment du Mali. Il régale les Africains. L'Algérien qui a... Oh là là, attendez. La milice ici, elle part direction le front russe. Comme je dis, là, je vais surtout bétonner là-haut. J'ai très très peur d'une grosse contre-attaque. Le japonais qui me propose des deals, mais je suis pas intéressé. Hop là. J'ai encore des tanks qui sont de sortie. Un nouveau corps blindé. On est bientôt prêt à la guerre. On est en fait bientôt prêt à la guerre. On va attendre, l'été. La fin de la Rasputitsa. Et on va faire poum poum. On va faire poum poum. Là, les divisions de Singh, au revoir. Voilà. Voilà, maintenant ils me font tous des offres, ces couillons là, mais je suis pas intéressé. Oh là 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 là, le Tsing est déchaîné. Ah, l'Allemand vient d'annuler mon super deal. Alors là, j'ai trois nouvelles divisions d'infanterie Tsing qui vont partir sur le front. De l'infanterie 48 en anti-char. C'est pas de la merde, hein. On va aller défendre Ulaanbaatar avec un énorme corps de minions. Mes minions, c'est mes minions qui défendent mon pré-carré. Hein. C'est magique. Allez, encore des divisions de garnison de prête. J'ai fini les premiers Mine Battle Tank. C'est épique. D'ailleurs, ça serait bien que je commence aussi à développer les chars lourds. Voilà. Encore des garnisons. Tu vas aller remplacer les Tsing à Beyrouth. Voilà. Les divisions hachémides qui sont prêtes. La pause. Il faut que je mette les Arabes. Jordanie, Irak. Non, mais là, c'est pas les mêmes. Ah non, c'est bon. J'avais mis les Irakiens. Bon, les Irakiens, on va les mettre éventuellement en réserve. Voilà. Hop. Là, normalement... Est-ce que... Non, c'est pas le même pays. C'est parti. Oh là là. L'Algérien. J'ai été médisant. L'Algérien, il régale. Hein. Il a encore sorti de la division. L'Algérien. Infanterie légère. Si le Tunisien était aussi productif... Oh, une nouvelle division libyenne. 5 divisions blindées, je vais leur rouler dessus. Enfin, j'espère. Bon, on est presque bon. On est presque bon. J'ai beaucoup de divisions en protection. On va prendre ces divisions de Singh. Et on va envoyer des renforts là-haut. Entre autres ici. Parce que là, j'ai des divisions blindées qui sont prêtes. Oh, du 43, on va aller là. Voilà. Encore de la division Tsing. Je l'aime, le Tsing. Il m'a tellement fourni de div depuis le début. Putain, ils me font chier avec leur infanterie 1916, là, c'est con. Oh, le Perse. Oh, le Perse. Tu m'as fait un HQ, le Perse. Et de l'infanterie 48. Et là, t'as deux infanteries. Oh là là, j'ai un corps entier Perse. Alors toi, je vais vite te dégager et tu vas aller sur la ligne de front. Infanterie HQ, c'est pas fait pour rester slacké ici. On va mettre... Hop, 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 fighter initiative. Bon bah on va bientôt y aller. En mai, on va suivre un peu la météo. Aircraft. Intercepteur 1942, c'est parti. Voilà.
Une nouvelle division jordanienne vient de sortir. Voilà. J'aimerais que le Syrien soit aussi productif. Allez, les trois divisions ici, elles vont partir sur le front. Hop. Bon, bah, l'Afrique commence à être capable de se défendre. Oh là là, des nouvelles divisions de cavalerie égyptienne. Et là, j'ai que de l'infanterie légère, infanterie. Les divisions libyennes. Encore de la division tunisienne. J'ai le premier corps tunisien qui est arrivé. Armored cavalerie, putain, de la cavalerie blindée, il a fait. Et là, le tunisien, on a les deux bonnes divisions, hop, comme ça. L'Algérien va être capable de défendre ses plages maintenant, de lui-même. Voilà. Ici, pareil, on va commencer à... donc ça, c'est les troupes de l'Union du Mali. Bah, le Malien, tu vas commencer à aller défendre tes plages toi-même, hein, pépère. Tu commences à avoir de la div, hein. Hop. T'auras une division en support, ici. Voilà. Toi, le Guinéen, tu vas aller défendre avec l'Égyptien. Deux divisions de cavalerie, c'est magique. On va les mettre, ceux-là, en réserve stratégique. Vu que c'est que de la garnison et que c'est immobile. Regardez-moi ça. La première armée perse. Trois divisions infanterie, un HQ. On va aller se battre sur le sol national. On va les envoyer là-haut. Je prie qu'il n'y ait pas déjà des nukes dans le coin. S'il y a des nukes, qu'est-ce que je vais prendre cher? Je vais déguster, hein. Genre vraiment déguster. Alors attendez, je vais mettre une petite pause ici juste pour... Voilà. Milice 48, magnifique. Improve d'armo, infanterie 48, on améliore tout ça. Et ma ligne de front est prête! J'ai une ligne de front, j'ai pas mal de divs. On est en juin, on va mettre une petite pause, on va aller voir la météo. On va aller voir la météo. Il y a de la Rasputitsa, mais dans l'ensemble, mon théâtre d'opération, lui, est bon. On va attendre la fin juin. On va attendre la fin juin et on va y aller. On va y aller plein tube. Voilà. Encore de la garnison de prête. Et on va finaliser les derniers petits détails. Ici, direction le front, Xibei. Tu vas aller filer un coup de main au nord, là-haut. Voilà. Envoyer la Russie en hiver. On est en juin. Je suis limite historique avec les Allemands le 22 juin 41. Ça s'est bien passé pour les Allemands, non? Regardez-moi l'armée tunisienne. L'armée tunisienne, elle vend du rêve, l'armée tunisienne. Hein. Même l'armée algérienne, hein. 5 divs algériennes. Le Tsing qui me vend mécanisation semi-moderne. D'accord. J'en suis où avec plastique? Plastique 96%. Je pense que je vais dépasser les 500 pp avec plastique. Je vais dépasser les 500 pp avec plastique. Ce qui fait très plaisir. Putain, ce bordel en Afrique. Je ne sais pas combien de minions j'ai, mais je dois avoir une dizaine de minions quasiment maintenant. C'est génial. Encore de la garnison. Bon. La météo. La météo est bonne. La météo est très très bonne. J'attends le redéploiement de mes dernières divisions et on sera prêt à y aller. Hop là. Garnison. On va aller récupérer les divisions de Singh ici. On va stop 2 juillet. On va se calmer sur les upgrades. On va préparer le renforcement. Le supply. Voilà. Et il est temps de lancer la guerre contre la Russie. $1 de dissent. Nous sommes en guerre contre la Russie. Bon! J'ai un front gigant. Ah d'accord! Il a carrément abandonné le front. C'est parti. Hein. Alors, là, ça va être une attaque
épique et glorieuse, comme dirait Bat. Hop, les tanks, c'est parti. Putain, j'ai des tanks. J'ai de l'infanterie mécanisée 48. Oh là 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 là. Bon là, je vais faire une énorme percée. Hein. Tous mes corps mobiles sont ici. C'est l'armée mongole au grand complet. Ici, on va faire une petite... Est-ce que je peux passer de Aletai à Sar? Non. Alors là, mon gars, ligne droite. Voilà. Full attaque. Le Tsing, il va supporter. Il va rester en défense. Full attaque. Full attaque. Full attaque. La quantité de tanks que j'ai. C'est bon. Alors, il y a d'autres attaques à lancer. Ici, par exemple. On va pas tout envoyer. Je veux rester défensif, ici. La milice. Support attaque. Hop. Quoique non. Allez, hop. On va être débile. Voilà. J'ai 114 de pétrole. Ce qui est excellent. Ici, on va attaquer aussi. On va l'attaquer sur toute la ligne. Hein. Là, le but, c'est de le... C'est de le forcer à envoyer à supporter de partout. Ici, on va rester défensif. Parce que j'ai pas beaucoup de troupes. Allez, c'est parti. C'est parti. Deux divisions. Ça va passer crème. Et ici, bah, on va envoyer la cavalerie. Hein. Hop, 3 km par heure. Ici, on va attaquer pareil. Voilà. La Russie PTC MBA complètement. Hein. Il a de l'infanterie 48. Hein. Il a beaucoup. Il est entièrement en infanterie 48. Ouais. Infanterie 48, infanterie 48. Bon, on va commencer à faire passer les chars en offensive. Les chars à 9 km par heure! Coucou! Tu te rappelles de l'époque où j'avais que de la milice et de la cavalerie? Ah, on commence à être attaqué. Oh, je me fais taquer! Je me fais taquer par l'aviation. Je vais aller prendre les aéroports en grande vitesse. On va passer en offensive. 9,9 km heure! 13 km par heure! En pleine! 13 km par heure! Ça va aller très très vite. Maintenant, on va voir si je vais être capable de tenir la distance. Ce qui est moins sûr. Voilà, 9 km par heure. Ici, c'est passé. On va même pouvoir attaquer. Hop. On va supporter l'attaque. Je me fais taquer la gueule. Ah, attendez, j'ai de la garnison qui est sortie. Il faut que je continue d'améliorer mes petites plages. Voilà. Hop, 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 hop. Nickel, c'est parti. Oh, attends. Une nouvelle division algérienne. Mais oui, l'Algérie. L'Algérie, mais quel champion. Je vous aime, les Algériens. Dans le jeu. Hop là. Épique. Elle est où, la couverture algérienne? L'Algérie se bat... L'Algérie, la couverture aérienne algérienne, les avions 1930, l'élite de la chasse mongole. Le reste est en 1916. Putain. Regardez-moi ça! Comment ça va vite! Là, j'ai Von Jungern, il est ici. Hein. Regardez Von Jungern à 7,6 km/h. Donc, il est en cavalerie mécanisée, Von Jungern. Hein. Ça rigole pas. Hein. J'ai un peu explosé ma TC. Normal, j'ai beaucoup d'unités en offensive et en déplacement. Beaucoup d'attaques en cours aussi. Mais c'est pas là. Ici, ça attaque. Ça passe crème. Petite pause. Parce que là... On va... Hop. Merde. Attaque. Hop. Hop. Voilà. On va prendre... un QG de Singh qui va venir défendre. Ouais, pas mal. C'est parti.
On va laisser 3 divisions blindées en réserve et on va continuer à exploiter. Ah, attends, j'ai oublié de claim toute la Russie. Ah bah non, j'ai déjà claim. Fantastique. Claim Northern Russia Region. Voilà, il va me détester. C'est pas grave. Je l'emmerde. Ici c'est passé, fantastique. Mes chars sont arrivés ici. On va aller prendre l'aéroport de Samarcande parce qu'il a ses avions qui décollent de là. Allez, la milice a passé par le haut plutôt, voilà. Je regarde si j'ai pas des débarquements à la con qui me tomberaient dessus. Non, c'est bon. Putain, j'ai la moitié du monde à gérer, au secours. Plastique ! Fantastique. Le plastique, c'est fantastique. Advance matériel 1951. Ouais, bon, on est plus à ça près, hein. C'est parti, hein. Plus 5. Allez, hop. Ah oui, en proclamant l'Empire, d'accord. Tu as fait des poches ou des grandes percées? Pas encore, je viens de commencer. Je vais essayer de faire une gigantesque poche en allant jusqu'à Fort Alexandrovski et faire une grosse poche au centre. Donc là, je vais commencer à remonter au nord, en fait. Merde, c'est allé trop vite. Non, c'est bon. Là, ça va très vite. Hein. Très, très, très vite. Hein. Ici, c'est passé. J'ai même les renforts qui sont arrivés. On va supporter au cas où. Voilà. Et là, on va aussi attaquer. T'as regardé tous les avions russes ? Pause ! Regardez tous les avions russes qui me tombent dessus ! Il y a 8 escadrilles russes, c'est du jet ! Il a des... Il a des bombardiers en piqué. À réacteur. Il y a du MiG-15 ! C'est une blague ! Ça ressemble à du MiG-15, ça. C'est le skin d'un MiG-15, mais c'est pas un MiG-15. Et à côté, il y a quoi? Ça, c'est un seul corps aérien. Il y en a un autre à côté. C'est du Tupolev Tu-12 à réaction. Putain. Et moi, je suis avec mes... Et moi, je suis avec mes intercepteurs 1916 que le Tsing a pas amélioré. Regardez. Chasseur 1916. Je suis pitoyable, mais c'est très drôle. C'est très très drôle. Là aussi il y a des avions. Mais hey, la quantité d'avions qu'il a. Encore du Tu-12. Il a tellement d'aviation. En fait il faut que j'aille prendre les aéroports. Il faut que j'aille prendre les aéroports le plus rapidement possible pour l'empêcher de décoller. Bah ouais. Oh là, regardez tout ce qui est arrivé ici. Ah non, attends. Ah non, en fait je suis en train de le dégager. Putain, il y a du cavalerie blindée 1946 aussi. Ici ça tape dur. Je vais le supporter. Voilà. On va le forcer à disperser ses efforts. Regardez Ungern qui est déjà arrivé. Ungern, le monstre. Allez, direction Pavlodar. Va rejoindre le corps principal. Oh là 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 là, je vais aller prendre Omsk avec mes tanks. En tank 43. Oh là là, ça va très très vite. Hein. Allez, on va aller prendre Karaganda. Pendant ce temps-là, ici, parfait. On est en train de l'occuper. Omsk, c'est en train de tomber aussi. On a regardé tout ce qui est arrivé. Les renforts russes sont arrivés. Il y a de la diva. Hein. On va envoyer l'artillerie en renfort là-haut. Faut surtout pas que je... J'ai une belle poche, là. Voilà. Oulala, oulala. Où il y a du monde qui vient d'arriver ici. Où il y a du monde. On va supporter... Avec des tanks. Voilà. 9 divisions russes. Ok, les renforts russes commencent à arriver. Je les ai un peu malmenés, là, pendant un temps. Ça s'est bien passé. Allez, on continue d'exploiter. C'est vide, là. C'est vide avec mon mecha. Je suis à 11 km/h. Je me régale. Il pourra pas utiliser ses avions si je lui prends ses aéroports. On va même essayer de faire une poche ici. Voilà. Oh, je me fais taquer. Oh là 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 là, ce que je prends. C'est malsain. Hein. Et je m'en tape. Je m'en contrefiche. Je suis en mode full attaque. Omsk est tombé. Attends. Si après je prends ici... Non, c'est des marécages. J'arriverai pas à avancer. On va continuer à pousser. Ah ouais, la Russie, c'est grand. Attendez, j'ai un event. Le destin de l'Asie centrale. J'ai une décision. On va aller voir ce que c'est.
Alors, il faut que... Mongolia Empire, not at war with Russia. D'accord. Bon, bah, visiblement, ça va attendre. Hein. Oh la vache! Ah ouais! Ah ouais! L'armée russe est arrivée. Et là, elle rigole pas. 12 divisions. Il y a beaucoup, beaucoup de divisions! On va rester défensif là. Et on va peut-être commencer à envoyer des renforts. Là, il me dit qu'il y a 15 corps aériens. Ok, il faut que j'attaque. Est-ce que de Aksu, je peux attaquer Almatara? Non. Ici, je suis en train de passer. Dès que je le dégage, je vais penser à envoyer des renforts. Là, Pépé en panique. J'ai les premières unités aériennes mongoles qui viennent d'arriver. On va aller préparer le corps aérien à Oulan-Bator. Ici, il y a des renforts aussi qui sont arrivés. On va essayer de les... Ouais, on va essayer de préparer une grosse poche en fonçant comme ça. Ok, je vais aller faire un tour des... un petit tour chez les mignons. Voir où ça en est. Nouvelle division. Voilà, le corps est prêt. Voilà. Ici, rien de nouveau. Faut que je réfléchisse. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de divisions. Donc ouais, je suis en train de faire un énorme mouvement, mais là, si le, quand il aura fini de prendre de l'or, il va m'attaquer. Et il va me dégager. Ici, c'est bien défendu, mais je vais continuer à me retrancher. Je vais le forcer à dégager des troupes de son énorme stack là. Putain, ici, je me fais taquer la tronche. Allez, dégage ça là. Voilà, c'est dégagé. C'est dégagé. Je vais passer en offensive et on va aller prendre ces provinces. Et là, on va faire ça. Et éventuellement, on attaquera avec ça. Et là, on va foncer plein nord. Voilà. Ici, c'est passé. On va passer en offensive. Voilà. La contre-attaque russe commence. La contre-attaque russe commence. Regardez-moi ça. 10 divisions russes qui attaquent. Et du tank. Il a du tank. Du tank 1948. Infanterie, il a de la belle troupe. Il a de la très très belle troupe. Il a de la très très belle troupe. Va falloir que je patiente. Voire même que je vais utiliser mes garnisons. J'ai des petites garnisons là qui vont partir. Pour commencer à renforcer éventuellement les lignes. Voilà. Là. Est-ce que... Non, oh là 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 là, mais attends, ça va tellement vite ici. Oh! Si je coupe là, et que là, ça passe là, je vais réussir à faire une poche. Une poche bien sale. Mais on va prendre des risques. Hein. Pour battre le russe, j'ai pas le choix. Allez, von Sternberg. Oh là 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 là, la contre-attaque que je prends. On va temporiser. Putain, leur aviation qui me rend dingue! Regardez ça, on va faire une... On... Hop! On attaque et on va essayer de le couper avec... On va essayer de le couper ici. Si je peux encercler ces unités et les wiper, ce sera déjà un bon début. L'essence, je vais arrêter de faire de la conversion parce que je perds trop d'énergie à mon goût. Putain, je me suis fait saigner! Avec une... C'est une barbarie! Putain, la gal... Eh, je galope dans les steppes russes. Allez. Cette bataille. Cette guerre. Regardez la taille du front. Je vais retirer... Petite pause. Je vais retirer les divisions d'infanterie qui sont ici. Et je vais commencer à venir préparer ma ligne de défense ici. Si je peux avoir 12 divs retranchés en montagne, il aura beaucoup de mal à passer. Et... Putain, c'est que du marécage de merde. Quoique non, il y a un coup à jouer ici. Je voudrais bien là le forcer à aller... Le forcer à aller à battre en retraite en fait. Novosibirsk, c'est une belle province. On va l'attaquer et on va le forcer à venir défendre la poche là, Pépère. Attends, Urga. Oh mais... Il attaque mes infrastructures.
Il me bombarde avec du strat, je crois. Oh putain, je découvre encore la guerre moderne. Oh là là, je vais tellement vite. 11 km/h! Tu peux pas test! Attends, mais je vais le wiper. Allez, on va fermer la poche ici. Ici, on pousse. Il y a pas mal de divs, là. Il doit y avoir 15 divs dans le tas. Ici, on est déjà arrivé. Allez, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse. En plus, là, il y a c'est des belles provinces pour accélérer. On va plutôt passer par là. Du désert. Oh là 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 là, ma cavalerie qui va arriver à Tchelkar! Pause! Je me fais bon. C'est du strat. Je sais pas. Oh, regardez, la contre-attaque qui continue. Il y a 11 divisions russes qui m'attaquent. C'est ce que j'avais peur. On va essayer de temporiser le plus longtemps possible. Ok, ici, comment se passe mon attaque? Bien. Putain, il y a 2 divisions blindées russes! Tankovaya Divizia! C'est du 48, je suis avec du T-34 pourri! Par contre, je pourrais supporter l'attaque. Attends, mon gars. Ici, il y a une seule division qui se fait étrier. On va continuer à pousser. Voilà. On va supporter l'attaque. Voilà. Là-haut, je voudrais bien lancer une contre-attaque. Avec mes tanks, on supporte. Il faut que je garde l'initiative. Il faut surtout pas que je perde l'initiative. Donc pour ça, il faut que je l'attaque et que je le force à envoyer des renforts là où il est menacé. Alors, qu'est-ce qu'il y a en face? Il y a 6 divisions. On va l'attaquer. Faut pas que je le laisse trop me pousser ici. Ok, je me replie. Mes montagnards se sont fait saigner. Tu pourrais mettre les biplans sur la capitale. Pff, non, j'ose pas. J'ose pas mettre les biplans sur la capitale. Allez, on y est presque à faire la poche. Strafing Doctrine. On continue d'améliorer ces trucs affreux, là. Voilà. Ici, c'est pas mal. Et là, je vais arriver à bon port. Putain, il y a une division ici. Fuck. Pas grave, si après, je prends ici, à 2 km par heure. Ici, c'est passé. Victoire à Binsk. Ouh là là, ok, c'est passé à Binsk. Et là où ça va passer aussi. Je vais élargir la poche et je vais aller prendre ces deux provinces qui sont des belles provinces de manœuvre. Pendant ce temps-là, regardez comment... Ouh là là, regardez, il y a des renforts russes qui sont arrivés. Je commence à avoir des troupes ennemies. On va les dégager. C'est de la cavalerie. Boum. C'est quoi le terrain? C'est pas dégueu. La poche a été faite! La poche a été faite, on attaque. Ici, je pense pas que je puisse attaquer. Non. Bah, parfait. On va continuer à l'agrandir. Je suis à 10 km par heure. Ça va très, très, très vite. Et là, on va envoyer les tanks ici, dans le tas. On va envoyer l'infanterie dans le tas. On va rien les laisser. Voilà. Parfait. Je me fais bombarder la ville, mais c'est pas grave. Support attaque. On va supporter à Novosibirsk. Il y a des renforts qui sont arrivés à Novosibirsk. Et là, on est en train d'élargir la poche. T'inquiète pas, va. Là, le but, c'est de bloquer les divisions russes ici. Et de wiper ce stack dès qu'il arrive. Là, je vais arriver avant, ce qui fait que quand Aosh qui va rouvrir, moi, je vais le fermer. Ok, c'est passé crème. On va lancer une nouvelle attaque pour ouvrir Kouzetsk. On va supporter avec mon artillerie qui est à Oyrotuna. J'ai mes 2 armées. Alors là, je vais faire bobo. Regardez l'armée blindée que j'ai avec 6 artilleries. Oi, 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 oi. Oh, c'est affreux ce que je lui mets. Oh, oh, ah bah ouais. Oh là là, par contre, ça c'est catastrophique. Mes renforts. Je suis en train de me replier sur cette province. Oh,
Ok, les renforts sont arrivés. On va essayer de tenir. Là, je joue avec le feu. Hein. Je pensais que ça allait arriver, mais pas aussi rapidement. Novosibirsk, c'est en train de tomber. On va mettre un général à l'arrache. Ah, je peux pas pendant une attaque, fuck. Ici, c'est passé. Je vais pouvoir retirer. Maintenant que j'ai ouvert ici la poche, je vais pouvoir venir renforcer ici. Hop! Hop! Voilà, 6 divisions qui vont venir renforcer à Kouril. En plus de ça, j'ai les montagnards qui se replient aussi. Bon, il faut tenir le saillant là. Et pendant ce temps-là, je galope, hein. Oh là 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 là! Coucou! Est-ce que t'es encerclé? Mais oui! Oui, mon petit! On va supporter l'attaque. Monsieur n'a plus de ravitaillement! Il doit y avoir près de 15 divisions dans cette petite poche! Et il y a des tanks russes qui sont arrivés ici! Mais pépère, je vais pas te laisser le temps de te... Toi non plus, t'as plus de 10... Oh là là, je suis en train de wiper du tank 1948! Et de la cavalerie blindée! Allez, on passe en offensive. 12 km par heure! Allez, on attaque. Je suis sur la Caspienne. Ah là, l'armée mongole, c'est du sérieux. Hein. C'est du sérieux. Hein. Ça rigole plus, là. Allez, on attaque avec la motorisée. On supporte l'attaque avec les tanks. Et on va aller prendre Tomsk. Il y a beaucoup d'unités à Tomsk. 5 groupes aériens, 3 corps d'armée. Le but, c'est d'aller prendre Tomsk. C'est de la plaine. Oh, c'est du marécage, Tomsk. Va te faire mettre. Ok, ici, j'ai ma province qui est prête à défendre. Regardez-moi ça, 13 divisions. On va se régaler. Oh là là, je suis contre-attaqué ici. Ça y est, ah là 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 là, 8 divisions. Il y a 6 divisions russes qui m'attaquent. Ça va pas tenir longtemps, le pauvre Tsing. Le pauvre Tsing. On va essayer de lancer une petite contre-attaque ici, juste pour les tester un peu, peut-être leur faire lâcher la bataille. Ça va passer. Éventuellement, je commençais à enverrer des renforts. Attends, oh, regardez le Tsing. Le Tsing a sorti plein de divs. Il a régalé le Tsing. Bon, il y a de l'infanterie. Est-ce qu'il y aurait de la légère? Alors attendez, ce qu'on va faire. Hop, hop. Et il y a quoi? HQ. Ok, tu vas venir là. Et comme ça, je pourrais envoyer mes 3 divisions supplémentaires en renfort. Et là, hop, 3 divisions de Tsing que je vais envoyer directement sur la ligne de front. Les mecs vont passer de l'Inde à la Sibérie. Ça va leur faire tout drôle, hein. Allez, on attaque. On va wiper tout ça. Il y a beaucoup, beaucoup de divas à wiper là. On va se faire plaisir. Allez, toi, t'as fait le boulot, montre au nord. Toi, tu attaques. On va pas te... Ambushers, sympa. On passe en offensive. Au nord, ça se passe bien. Ça se passe bien. Allez, on va continuer à pousser là. Avec les tanks. On va le dégager. Et on va aller prendre Tomsk. Il y a 4 unités en face de moi, dont du tank 48. Et là, est-ce que ça tient? Est-ce que c'est passé? Ouais, ça passe. Par contre, il arrête pas son attaque. Mais il va devoir arrêter son attaque parce que je vais le dégager très rapidement. Pas encore de rebelles. Chez les Russes, il n'y a pas de rebelles. Je pensais que ça allait, qu'il allait avoir mal plus vite, mais visiblement, non. Allez, on attaque ici. Il y a 6 divisions russes, mais en fait, là, je veux juste aller suffisamment. Viens, Oh oui! élimine-moi de ton Encerclé! Oui, bébé, viens, Hop! élimine-moi de Qui ton s'est sub? 6 places! Merci pour le resub. J'ai encerclé le russe, il a plus de supply, regardez. Oh là 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 là, avec ma cavalerie mécanisée qui a fait une marche, une chevauchée incroyable. Et là, on est en train. Oh là là, là c'est triste, hein. C'est triste, hein, ce que je mets aux Russes. Hein. La guerre de mouvement en 50, quand tu commences à avoir beaucoup d'espace, du terrain favorable. Sachez que, rappelez-vous que j'ai eu mes premiers tanks en Perse, hein, en 48. Hein. En 3 ans. En 3 ans, j'ai totalement mécanisé mon armée. Ce qui est pas dégueu du tout. Allez, 4 divisions qui dégagent. Et là, c'est en train de craquer. Aïe, aïe, aïe. Et là, allez, dégage-le! Ah, je vais craquer ici. Je vais me replier. Je vais me replier. J'aurais fait le boulot.
Je voudrais bien... Non, non, non. Je suis tenté d'attaquer, mais si j'attaque, je vais perdre mon retranchement. Là, j'ai 30 jours de bonus de retranchement. S'il veut venir me chercher, il va devoir venir sur des provinces de montagne, où je suis retranché. On va pas jouer avec le feu. On va continuer à pousser là où j'ai l'avantage. Salut, salut Pépé, est-ce que je peux poser des questions? Ah, ça dépend. Est-ce que c'est des questions de merde? On dit souvent qu'il n'y a pas de questions cons, mais si, il y en a quand même. Essaye toujours à... Mais vu que t'as la gentillesse de d'être poli, je t'enverrai pas chier, promis. Attendez, j'ai de la division motorisée qui vient d'arriver, ce qui fait que j'ai un nouveau corps mobile opérationnel. En plus, il est en Perse. Je vais directement l'envoyer à Tchelkar. Voilà. Et j'ai aussi de la garnison de prête. Bon, ça se passe bien. Ça se passe mieux que prévu. Hein. J'avais peur d'avoir quelques difficultés, mais... Ah ouais, le méca est en train de se rentabiliser. Oh. Même la cavalerie mécanisée 42, elle est incroyable. Hein. Elle est incroyable. Hein. Là, on va aller attaquer. Est-ce que ça va? Non, non, non. Ok, j'arrête. Là, je peux plus avancer. J'ai plus d'orgue. À Tara. En plus, Tara, c'est une province avec 36 d'infra. Et je me fais taquer. Oh, je sais pas si vous avez vu la quantité d'avions qui me taquent. C'est pour ça que j'ai plus d'orgue, en fait. Je me fais, mais... péter le fion par... Allez, regardez-moi ici, ça wipe. Faut pas les laisser se replier. On va les dégager. Oh là là, c'est magique. C'est magique. Pause. Donc là, toute la poche, là, elle est déjà nettoyée. On va commencer à les renforcer. Ici, il faut surtout pas que ça craque. Surtout pas que ça craque. Sur le banc, voilà. On va rester en défense. Pas la peine d'attaquer. Et on va retirer de l'infanterie. Là, j'ai de la légère. Là, j'ai de la cave. On va aller défendre les provinces, là. Voilà. Les points de contrôle du russe, c'est où? J'ai pas encore osé aller voir. J'ai pas encore osé aller voir parce qu'il y en a partout. Il va falloir que j'aille jusqu'à Saint-Pétersbourg et à Vladivostok. Hein. Ouais. Putain, il me... Là, on va continuer à pousser dans le nord. Voilà. Voilà. Putain, je me fais taquer. Je me fais tellement taquer. Oh là là, l'aviation. Là, mais... Là, je vois mes faiblesses, en fait. Pause. Hop. Regardez ce qui me taque. Il y a 8 bombardiers tactiques Tu-2 qui me font des passes. Et ils m'ont enlevé toute mon orgue. Je ne récupère pas d'orgue sur la province parce que je me fais... Bah, attaquer la tronche. Ici, on va aller attaquer Tomsk. Tomsk est une grosse province. Voilà, il y a quoi à Tomsk? Il y a 7 divisions russes à Tomsk. Un gros, gros morceau à faire tomber. On va essayer de faire tomber ça. Allez, 9 divisions à Tomsk. J'attaque avec 12 divisions blindées. Hein. L'armée mongole et c'est des marécages. C'est dégueulasse. Au secours. On passe en offensive, 7 km par heure. Je vais envoyer des renforts d'ailleurs là-haut. Voilà. Maintenant que j'ai pas mal élargi la poche. Ici, c'est en train de wiper ce qui reste. On va envoyer des troupes en tête du dispositif. Ah, Korchevac. Voilà. Bon, j'ai fait une belle percée, hein. Beaucoup de divisions qui vont être wipées, hein. Ça se passe bien. Voilà, ici, on dégage. Par contre, là, s'il prend la province avant que j'arrive, il va me faire une poche, cette espèce de connard, là. Pourrait soulager des unités qu'on les a mis. Non, 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 ça sert à rien. Je suis beaucoup trop en retard. Je suis beaucoup trop en retard. Là, il faut juste que j'amène de la masse et que j'aille prendre des aéroports le plus vite possible. Voilà, faut pas chercher à comprendre. Putain, regardez à Tomsk, la bataille. Je sais pas c'est quoi. Oh là, je crois que j'ai... succès. Je crois que j'ai wipé. Ah non, c'est pas du 1 pour 1. C'est presque du 1 pour 2. Je lui fais des très très grosses pertes. Et ici, on va attaquer pour le pas le laisser se replier. Voilà, au revoir. Regardez-moi ça, Tchelyabinsk. On attaque. C'est de l'exploitation que je fais. Hein. On est en août, hein. On est en août, hein. Ouh là là. Voilà, une contre-attaque russe qui m'emmerde, mais c'est pas grave. Ah ouais, mais là, je peux pas, il y a 18 PP sur cette province. Je peux pas la laisser. Non, bah tant pis, hein. Je vais faire une croix sur 18 PP.
Parce que bah il y a un peu trop. Et on va envoyer des troupes en réserve là-bas pour commencer à penser à contre-attaquer. Ici, c'est passé. Ah, attendez, je mets une petite pause pour lire le chat. Et faire une pause aussi. Est-ce que tu penses survivre à la mort d'une guerre? Ouais, oui, sans aucun doute. C'est pas... Là, c'est juste un général et un bon ministre. Hein. Pépé qui atteint des frontières de la Mongolie à la mort de... Mais tu t'es fait nuke, t'as perdu pas mal d'IC. Non, non, je me suis pas fait nuke. Hein. C'est juste que... j'ai... Oulan-Bator est passé de 9... De 24 pépé à 9. Il est en train de me bombarder Oulan-Bator, en fait. Attendez, on va aller voir. Pause! Yassi! Non. Allez où? Il est où l'engagement de merde là? Il est pas Oulan-Bator? Pause, je l'ai. Non, Pavlodar, Tomsk. Il est en train de. J'ai pas. Alors j'ai pas le message. Il est en train avec 6 bombardiers stratégiques. Il a 6 bombardiers stratégiques en train de vitrifier Oulan-Bator. Je ne peux pas. Écoutez, on va être con. On va être très con. Je vais amener tous les avions 1916 et tout. On va faire une wing de singe. On va faire une wing. Une wing de singe. J'amène tous les avions, tous les intercepteurs de merde que m'ont fait les IA. Et on va tenter une mission suicide quand j'aurai récupéré mon orgue. Voilà à quoi on en est réduit. J'ai joué à DH pendant très longtemps. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu quelque chose d'aussi stupide. Maintenant, j'espère que... Voilà, les tacs se barrent. Allez, arrache-toi avec tes tacs de merde. Voilà. Tous mes renforts arrivent. Voilà. Tous mes avions sont en train d'arriver. Ici, c'est en train de wiper. Voilà. Je vais mettre un cran moins vite parce que ça va. J'ai tellement de pop-up à la con. Les tanks, on pousse. Ouh là là, je me suis fait dégager ici. Je me suis fait dégager. Et à Tomsk, je pense que je vais même pas passer à Tomsk. Je vais supporter l'attaque avec de l'infanterie. Voilà, 15 divisions, ça va être chaud. Ici, ça tient, ça tient, ça tient. Alors, pause. Ok, toutes les escadrilles sont arrivées. Correctement, et c'est en train de reprendre de l'orgue. Ce sera prêt d'ici, je sais pas quand, mais ce sera prêt. Allez, 3 divisions. On va envoyer les renforts en Sibérie. Ici, je me suis fait dégager, et là, malheureusement, l'aviation me fait vraiment bobo. Les Algériens viennent d'arriver à Oulan-Bator. Ok, là, je me fais taquer, c'est pas passé à grand-chose. Putain. C'est chaud à Tomsk. Regardez le bain de sang à Tomsk. J'ai perdu 9000 mecs, que des tankistes. Et je lui ai fait... Pardon, je lui ai fait 9000 morts, j'en ai pris 6000. C'est une très très grosse bataille à Oulan-Bator. À Tomsk, pardon. Je pense que ça va le faire. Et après, je peux... Putain. Même si c'est du marécage, je vais essayer de couper la Sibérie, hein. Je vais essayer de couper la Sibérie, hein. Rien à foutre. Hein. Le respect, je l'ai mangé. Hein. Allez, on passe en offensive. C'est Von Jungern. Von Jungern, il est à Tcheliabinsk. C'est où Stalingrad, Volvograd? C'est ici. Ok. Ah, je m'en rapproche. Hein. Pendant ce temps-là, je suis en train de wiper. Ici. Plein de singes. Magnifique. Plein de belles divisions russes en train de disparaître. Les tanks. Tu vas embarquer direction Omsk. On embarque les tanks. Putain, la bataille à Tomsk. Le Caire pépé. Il y a des divisions fraîches qui sont sorties au Caire. Ah! Je veux que tu me dises dans le chat pourquoi tu as écrit le Caire pépé. Genre, explique-moi. Je suis curieux de savoir pourquoi tu t'es fait chier à écrire le Caire dans le chat alors qu'il n'y a rien au Caire. Je suis juste curieux. Je demande. Je demande. Bon, pas de division algérienne. Attends.
J'ai des divisions Tsing opérationnelles, vu que j'avais des garnisons qui étaient arrivées ici. Oh, il y avait des avions d'ailleurs. Allez, le Tsing, tu vas passer de la Tunisie. Je vais tenir Omsk, hein. Je vais essayer de tenir Omsk. Pourquoi? Parce que Omsk est une province à 80% d'infra. C'est sûrement la province qui a le plus d'infrastructures, Omsk. Donc je vais essayer de tenir Omsk. En attirant... Oh, la bataille de Tomsk. Pas au Caire. Bah, pourquoi tu m'as dit le Caire, Pépé? Désolé, mais le Caire, pour moi, il n'y en a qu'une seule de province. Putain, regardez-moi les tacs en train... Mes avions sont presque opérationnels, hein. On y arrive, hein. D'ailleurs, je vais... Attendez. Pause. C'est la première fois que j'ouvre cette... voilà. Tacticien supérieur. Ok, c'est bon. Oh, je vais perdre 18 PP. Oh là là, je vais perdre 36 PP avec ces deux provinces. Je vais perdre 36 PP. C'était le risque de me battre aussi près de mon corps, de mon cœur industriel. Mais j'ai pas le choix, malheureusement. J'ai pas le choix. Je vais perdre 36 PP. C'est pas grave, on les récupérera. Ici, je suis en train de wiper ce qui reste. Ok, on va mettre un cran plus vite quand même. Voilà. Attends, bombe Orleansville. Ok, non, c'est bon. C'est l'autre singe qui me tacle la gueule. Putain, se battre sur tout le monde entier, c'est abominable. Très casse-couille. Hein. Oh là là, regardez Von Ungern! Il est inarrêtable, Von Ungern! Allez, on pousse. Oh là là, les pertes qu'il prend en plus. Allez, à Tomsk, on y est presque. À Tomsk, on y est presque. C'est ces chars qui tiennent, putain. D'ailleurs, on va commencer à penser à contre-attaquer aussi, hein, parce que tu me pousses d'un côté, mon gars, mais je peux aussi faire la même chose. Je m'attendais à une contre-attaque ici, mais il n'a pas contre-attaqué. Donc on va supporter et on va le forcer à envoyer des troupes pour aider à tenir la ligne. Voilà, 4 divisions russes, 4 infanteries 48. Ok, mes avions sont presque prêts. On sortira tous les avions d'un coup, hein. Je me demande ce que ça va faire. Je pense que c'est des bombardiers stratégiques à turboréacteur. Hein. Tu lui as pris combien de PP? Il est tombé à 153 PP. Il a perdu 20 PP. Mais bah en fait, il a un territoire gigantesque. Mais il va... Oh, regardez les ressources ici. Vous avez vu les ressources? 80 d'acier, 42 de charbon, 40 d'acier, 15... Oh là là, magnifique. Il me faut ça pour mon industrie. Alors là, je prends une contre-attaque de ces morts. Je vais attendre que les renforts arrivent. Les tanks sont revenus. Les tanks à Omsk. Là, je vais le laisser avancer un peu. Et on va continuer à pousser. Allez, Tomsk. Ça va passer à Tomsk. Plus que 5 divisions russes en défense. Et là, ça pousse. 10 km par heure. Ça va très vite. Quand est-ce que j'arrive? Le 3 septembre. J'arrive aujourd'hui. J'arrive à quelle heure? Le 3 septembre à 20h. Magnifique. Oh là là, mais je suis déjà arrivé! Il est trop rapide, Von Sternberg! Il roule sur les mecs! Il roule sur les mecs! Oh! Mais attends, je vais aller le couper à Vaucourta? Je vais aller le couper à Vaucourta? Ça va aller très très vite, hein. Tomsk, c'est passé. On passe en offensive à Tomsk. Tomsk, c'est du marécage de merde, je crois. Support attaque, ok. C'est passé, c'est passé. Je viens de perdre beaucoup de PP, mais c'est pas grave. C'est un jeu... Ça en vaut la chandelle de perdre autant de PP. Ça en vaut vraiment la chandelle. Ici, ça va très très vite. Voilà, on continue de pousser. Ah là là, je prends une contre-attaque. Je prends une contre-attaque. Tomsk est tombé! C'est quel pays au nord? Je crois que c'est les... c'est l'Union du Don Kuban. Aïe, aïe, aïe. Oh là, je prends une méchante contre-attaque. 4 divisions, je vais me replier. Et là, il a plus d'avion! Regardez, il n'y a plus un seul aéroport à porter. Il peut plus me taquer la gueule. Tout décoller de Tomsk. Pour ça que je voulais prendre Tomsk le plus vite possible. Bon, là, je me replie. Maintenant qu'il n'y a plus d'avion, je suis heureux. Bon! Est-ce qu'on tenterait pas... La sortie du siècle. Toute la force aérienne mongole au grand complet. Est-ce qu'on va pas rigoler un coup? C'est ridicule, hein, ce que je vais faire là. J'ai envie de voir ce qu'il a en face. C'est totalement absurde.
Allez, interceptez-le. Regardez ce qu'il y a en face! Du Tupolev Tu-16! Les Chinois ont encore aujourd'hui des Tupolev Tu-16 en service! Il y a des bombardiers NAVO Turbo Jet. Et mes avions, ils sortent pas. Mes avions sont pas sortis. Oh putain, c'est de la merde. Oh, je me suis fait éclater. Oh, regardez les pertes qu'a pris mon escadrille. Ok. C'était pas... Quand je vous disais que c'était pas une bonne idée de tout sortir. Bon, j'ai pris 95% de pertes dans mon escadrille 1937. L'aviation, c'est cruel, hein. Imaginez si j'envoie les 1916. Non, 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 non. C'est même pas la peine d'y penser. Je pensais pas que ça serait aussi stupide. Je pensais pas que ça serait aussi stupide. N'y pensons même pas. Je me suis fait éclater. Éclater. Oh là là, le désastre. 95% de perte. Je pensais pas que j'allais autant me faire maltraiter. Hein. Bon, ici, on a wipé. On pousse, on pousse. On va être coquille. On va aller directement à Berzyesny. Là, j'ai la moto qui arrive derrière. Là, j'ai tout wipé. On va aller protéger l'avancée avec de l'infanterie pour tenir le terrain. Est-ce que de cette province de Kotchetaf, je peux aller à Taïwan? Je ne peux pas aller à Taïwan. On va attendre. Oh, Tomsk. Pause. Tomsk est tenu. Je vais envoyer des chars dans la forêt là-haut. Les chars les plus frais que j'ai. Oh non! Non, mais espèce d'enculé! Il veut pas que j'aille à Norilsk. Par contre, est-ce que je peux aller? Tant pis si c'est du marécage. Oui, je peux aller à Sarkbard. 3 km/h dans le marécage. C'est parti. Un régal. On va supporter l'attaque. Et là, on va même... On va être coquille. Et on va attaquer. Voilà. La tenaille, messieurs. La tenaille. Là, je vais laisser mes tanks récupérer de l'orgue et après, on pourra contre-attaquer. Et ouais. Cette putain de province de Omsk a 60% d'infra. Mais merde! Il y a ces avions qui recommencent à me bolosser! Fais chier. Aïe, aïe, aïe. Là encore, je suis greedy, Zep. L'attaque ici. Ok, c'est en train de wiper. 8 divisions qui vont être wipées. Je vous cache pas que ça fait plaisir. Wiper. Je viens de wiper toutes ces divs. Oh, regardez ma TC, la catastrophe. La Plata, mais je t'emmerde, La Plata. Genre, je traite pas avec les singes d'Amérique du Sud. Bon, là, je commence à avoir suffisamment de divs. On va contre-attaquer. Ça suffit. On va contre-attaquer. Il faut que j'aille récupérer mes PP. De toute urgence. Voilà. Voilà. Merde. Je m'en fous de mes avions pourris, là. Vous vous êtes bien amusés, les Russes. À mon tour de jouer. Parfait. Voilà. Allez, go. Il y a que 3 divisions. Ça va passer crème. Ici, il y a beaucoup. On va quand même se calmer. As-tu regardé les PV du russe? Tu veux les PP du russe? 150 PP. Ça baisse. Ça baisse doucement, mais sûrement. Allez, on continue d'attaquer. Et là, on va prendre l'infanterie 1948. On va aller se poser à Tcheliabinsk. Putain, je me fais taquer la tronche encore. On va aller prendre les... On va essayer d'aller prendre les aéroports russes. Ces putains d'avions décolle de Toliati et de Nabrez-Chelny, là. On va essayer d'aller dégager ça. Ouais, il décolle de là. Ah, les bâtards. Les petites salopes. Oh, Omsk, j'ai beaucoup de divisions qui sont arrivées. On va bientôt pouvoir contre-attaquer très fort. Là, mes pauvres Tsing. On va les replier. Ici, c'est en train de passer. Ici, c'est en train de passer. Là, je suis bien en défense. Ok. J'ai perdu beaucoup de PP. Mais c'est le jeu. Ici, ça passe. Ici, on attaque. Ici, ça a été wipé. On va les prendre en vitesse
cette merde là. Oh là là, je suis en train de jouer avec le feu. J'ai Fognon Gun seul derrière les lignes ennemies pour aller prendre Vokutra à 6 km/h. Si je fais une... si je prends ici Vokutra, je vais avoir deux poches. Parce que là, je suis en train d'arriver à Sackland, Vokutra. Sauf que là, je suis allé en avant du dispositif sans sécuriser les arrières. Faut prendre des risques, hein. Faut prendre des risques. Hein. J'ai des renforts qui arrivent normalement à Peroulvask. Ah non. Ah non, j'ai... Ah non, non, mais c'est des unités étrangères. J'ai des divisions blindées qui viennent d'arriver. Division blindée, on va la mettre à... en recomplètement ici. Là, ça a été wipé. On va renforcer... Hop, ici. Les Mongols bientôt sur la Volga. On y est presque. On y est presque sur la Volga. Je suis à 6,7 km/h. Oh, et je me fais taquer le museau. On va passer en offensive pour aller plus vite. Bon. Putain, Fognonger, on est en train de faire une poussée vers l'Arctique. Ok, alors, toi, t'es arrivé à destination. Je vais pas te laisser te reposer. On contre-attaque. Voilà, avec le support d'Itzing, on va laisser les méchants reprendre de l'orgue. Voilà. Ici, il a dégagé. Allez, on se dépêche. Je suis à 4 km/h, j'arrive le 19 septembre. J'arrive demain! Demain sur le premier aéroport. Et ici, on va contre-attaquer. Ça suffit... On va retourner à Tobolsk. Hop. Hop, 6 divisions blindées qui attaquent. Il n'y a que 2 divisions d'infanterie russe. Ici, il est temps de passer à la grosse contre-attaque. On va le dégager. Et on va aller reprendre mes PP. C'est pas la fête. Oh là là, regardez-moi toutes ces bonnes divisions russes qui vont se faire wiper. Ça fait plaisir. Faut vite que là j'arrive pour pouvoir attaquer les unités à Kungur. Oh, c'est passé! Est-ce que ça va passer? Ça va passer! 3 divisions contre 3 divisions. Y'a quoi en face? Y'a un HQ. La Stavka est là! HQ 1950! Putain, arme. Cavalerie blindée 46, de l'infanterie 48. De l'infanterie 39! Génial. Oh, par contre, y'a beaucoup de divs là. On va tenter. Si je peux dégager là et aller prendre l'aéroport, ça serait cadeau. Bon, von Sternberg, t'arrives le 5 octobre. Ok, ça va aller vite, ça va aller vite. Ici, je suis arrivé. On va tenter une contre-attaque pour ouvrir. Hop, hop. Avec le mécanisé, 6 contre 4, ça va peut-être passer. Ça passe pas, tant pis. On va aller à Omsk, récupérer de l'orgue. Aïe, aïe, aïe. Je sais pas si ça va passer, hein. Il a des troupes étriées, et je lui fais du 1 pour 3 quasiment. Et ouais, c'est de la mécanisée 42 avec des brigades de cavalerie. Donc là, j'ai de la cavalerie, j'ai des brigades de cavalerie mécanisée, c'est génial. C'est génial de jouer comme ça. Oh, je suis arrivé. J'ai des renforts qui sont arrivés. On attaque, on supporte. On va ouvrir le saillant que j'avais fait pour Fognongern. Incroyable Fognongern. Hein. Oh. Le machin va arriver sur l'Arctique. Hein. Le 5 octobre. Le monstre. Oh là 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 là. Là, mes tanks sont arrivés. Oh, j'ai plus d'orgue, je m'en fous. J'ai plus d'orgue, mais je m'en fous. Attendez, on va supporter. Avec le peu d'orgue qui me reste, on va supporter l'attaque sur l'aéroport. Oh, ça va passer crème. Ah oui, mes tanks, ils ont plus d'orgue, mais ils amènent juste le petit punch qui manquait. Victoire. Boum. Boum, boum, boum. Et ici, ça va passer. Bombardier tactique 1942. Attends, regardez ma TC. Ma TC, c'est... Oh, j'ai beaucoup... Oh, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Super Heavy Tank 1944. Qu'est-ce que c'est que ce gros machin? Non, on va partir sur du... Oh, on est en 150, on va continuer à... Hop là. D'ailleurs, je vais bientôt me calmer sur... Je suis tombé à 117 PP. Comment ça se fait que j'ai aussi peu de PP? Attendez, j'ai un souci, là. Partisan est fait, j'ai des ressources. En fait, c'est juste qu'il m'a mangé du PP. Il me taque tellement la tronche qu'il me... Il me pète tous mes PP, cet enculé, là! C'est ses stratégiques de merde! J'avais pas prévu ça du tout!
J'avais pas prévu ça du tout, putain! Intercepteur 42, pourquoi je peux pas faire les 44? Qu'est-ce qui me manque? Il me manque les secrets Weapon. Putain, je crois qu'il me manque les turbojets. Non. Turbojet engine. Merde, c'est où turbojet déjà? Je m'en rappelle plus. Ah ouais, 44, il me faut les turbojets. Fuck. On va devoir attendre que ça se débloque. Allez, infanterie 51. Il manque la tech des fusées. Putain, c'est ça qui me manque. Il me manque ça. La tech des fusées, je crois que c'est... Je me rappelle plus, c'est Secret Weapon, je crois. Ah ouais, c'est ça. Test recherche, mais je les ai même pas. Je les ai même pas. Pourquoi je les ai pas, les premiers? Engine. Ah, il faut Rocket Engine 39. Mais il est où, elle est où cette merde là de Rocket Engine 39? Je me rappelle même plus, ça fait tellement. Cat Weapon. Putain, je me rappelle plus où c'est du tout. D'abord dans l'industrie, puis secret. Ok, dans l'industrie. Ah oui, expérimental roquetterie. Putain, j'ai trouvé, merci. J'ai aucun! On va avec le mec le plus élevé. Voilà! J'ai aucun mec spécialisé en roquetterie. Génial, hein? On va se régaler, hein? On va se régaler, hein? Je suis tombé à 118 PP. Mes PP se sont effondrés. Ce qui est catastrophique. Mais c'est pas grave. Ça va. Ça va, ça va, ça va. C'est pas si catastrophique que ça. On y retourne. On va essayer de battre le russe le plus rapidement possible. Une fois que j'aurai fermé la poche ici, il sera niqué. Et même ses tacks seront plus approvisionnés, on sera bon. Oula, je prends une contre-attaque ici. Mais sa contre-attaque, je l'emmerde. Voilà. On supporte. Hop. Et on attaque avec le mecha. C'est parti. Mon gars, toi. Putain, j'ai quand même mangé un bon morceau, hein. D'Union soviétique, là, de Russie, hein. Je commence à arriver. Neftchelny. Voilà. Ça, c'est une bonne province. 20% d'infra, je prends. Qui tente en Algérie. Ah! Où ça? Pause. Combat. Ouais, ou alors, ils ont échoué, hein. Parce que je vois pas de combat. Je vois aucun combat pour le moment. Ok. Ouh, regardez de l'infanterie. C'est là, hein, où t'aurais dit pépé. Au Caire, il y a une division. Ils ont dû réussir à repousser. Ouais, bah, trois divisions. Oh là là, mais je me fais tellement. J'avais pas prévu les strats. Hein. J'avais pas du tout prévu l'arrivée des strats. Ok, là, je vais prendre de l'orgue. Parce que je suis dans un état lamentable. On va engager des divisions à Berensky pour tenir. Hop, voilà. Et après la poche ici, on va être bien. On est le 3... Dans 5 jours, je verrouille tout. D'ailleurs ici, on va attaquer. On va... Hop. On va envoyer la motorisée. On va les dégager. C'est affreux, je construis des TP pour qu'ils les détruisent, quoi. Quelle catastrophe. PP, putain, j'étais à 210 PP! Bah alors, ah, t'aurais dû connaître ta géographie, au lieu de me dire des conneries dans le chat. Mais bon, t'inquiète, j'ai l'habitude. J'ai l'habitude, winter is coming. Ah, t'inquiète. Oh, je me fais taquer, je me fais taquer. Bon, après, la province, elle est bonne. Je vais récupérer rapidement de l'orgue. Ici, pareil. Je vais envoyer des... Ouais, on va... Unit-human. Allez, infanterie, c'est parti. Logistical Strike Doctrine. Regardez, j'ai perdu une équipe de tech avec ces conneries, là! Putain, le russe, il m'a tellement niqué! J'avais pas du tout prévu ça! Oh là là, je me suis fait niquer. Vraiment, jamais... J'avais pas pensé au strat russe. J'avais pas pensé au putain de strat russe. Alors, attends, ici...
toi, je vais pas te laisser te poser. Montagne, on attaque. Et on supporte à l'artillerie. Voilà. C'est parti. Le mecha, il arrive quand? Ah ouais, non, merde, c'est pas. Malheureusement, il y a une unité en train d'être améliorée encore. Putain. Cette division. Aïe, aïe, aïe. On va envoyer des renforts là. Et ouais, ma TC, vu que j'ai perdu, le problème c'est que la TC est indexée sur les PP. Donc comme j'ai perdu beaucoup de PP, de facto, j'ai aussi perdu beaucoup de TC. Dépêche-toi, von Jungern, hein. Passe en offensive là. 9 octobre, dans 5 jours, je verrouille la poche là. Là, j'ai mes tanks qui sont arrivés, on va récupérer de l'orgue et on va pousser. Là, mon offensive à l'ouest, faut que je l'arrête, le temps de récupérer un peu de jus, hein. Là, je suis en train de wiper de la div. Allez, on passe en offensive. Ouais, ils ont pas lâché de nuke. Dans mon malheur, j'ai de la chance. Parce qu'en 51, on est à l'époque des nukes, là. Ici, le terrain est en train d'être pris. On va lancer une grosse attaque. Pause. On va attaquer à Irkoutsk. Il est temps de commencer à faire un peu paniquer le russe. Voilà. Infanterie légère. Et on supporte. Faut pas le laisser respirer. Comme ça, après, quand il aura plus. Quand il aura plus de anti-partisans. Non, mais va te faire foutre avec ton anti-partisan, là. Au boulot, là. Voilà, il y a 5 divisions russes. J'en attaque avec 19. On est bien. Allez, von Jungern, s'il te plaît. Dépêche-toi d'atteindre l'Arctique. 9 octobre, après une chevauchée incroyable. Hein. Urdgun est en partie de une province ici. Hein. Le mec a fait un quart du globe, là. Putain. Oh là là, ici, c'est passé. Allez, on va aussi essayer de pousser, là. 5,6 km/h. On va faire vraiment... Oh, magnifique. Ici, ça passe. On contre-attaque. C'est parti. Je suis en train de saigner 7 divisions d'infanterie russe. Ouais, c'est saigner, c'est du 1 pour 1 quasiment. Hein. J'appelle pas ça saigner. Bon, ici je reprends le terrain. 2 divisions. Putain. 124 pp, ça remonte. Ici je suis en train de récupérer mon orgue à grande vitesse. On va même tenter une attaque. Là, il n'y a plus d'aéroport. L'aéroport le plus proche maintenant, c'est Moscou et Arkhangelsk. Moscou, les gars. Regardez où est Moscou. J'en suis pas loin. On va pousser sur Kazan. Avec les tanks. En support derrière. C'est parti. 2 divisions. Voilà. Il l'a fait! Il l'a fait! Von Jungern! Mon champion! Il a coupé la Russie en deux! Von Jungern! Il est génial! Il est génial, Von Jungern. Incroyable. Allez, on a full attaque. Support attaque, c'est parti. Il n'y a que 3 divisions. On pousse. On pousse. On va amener. Voilà, Tchelabinsk. Il a ouvert la Russie en deux! Avec de la cavalerie mécanisée 1942 en train d'être upgradée en 46, je crois. Donc là, maintenant, le russe, normalement, le russe n'est peut-être plus ravitaillé, ou alors il arrive à ravitailler avec des convois qui font le tour du monde pour aller ravitailler à Vladivostok. Mais non, il n'y a même pas de Vladivostok, il doit ravitailler peut-être ici. On va voir. Est-ce qu'il est encore ravitaillé? Merde, la bataille s'est terminée trop rapidement. Pause. Là, il y a une bataille. Il est pas ravitaillé. Il est pas ravitaillé! Mange ça! Alors il va peut-être être ravitaillé, hein. Peut-être qu'on a des convois qui vont se mettre en place, hein. Mais pour l'instant, c'est pas le cas en tout cas. Là, pareil, il est pas ravitaillé. Oh, génial. Magnifique. Bon, il y a 4 divisions qui se sont repliées. Ici, ça passe. Ici, ça passe. Et von Sternberg, il est en roue libre dans le nord. On va aller prendre Arkhangelsk avec von Sternberg. Ici, c'est passé, on attaque. La milice, je l'envoie sur le front là-bas.
Il a quoi comme port sur le Pacifique? Bah, il a justement le port de Nikolevsk en Amur et Petropavlovsk. Et c'est tout. Alors là, je prends une contre-attaque, mais je m'en fiche parce que je suis en train de te péter le cul. Et ici, regardez-moi, il aura été long à abattre ce corps d'armée russe, hein. Il me quand même me monopolise 3 divisions mecha et 3 divisions de tank, hein. Là, on va aller prendre cette petite province de merde. Ici, la moto est en chemin. Oh là, regardez les. Oh, j'ai une unité de moto à 37 de force. Ça, c'est les avions russes qui me pilonnent et qui me font des pertes catastrophiques! Attendez, je veux voir le rapport de perte de ce qui me prend sur une attaque à découvert. Pause. Oh, regardez ce que je prends. À chaque passe, il me prend 1000 hommes, une artillerie, 120 chevaux, 150 véhicules. Ok, je peux pas continuer comme ça. Je peux pas continuer comme ça. Je vais m'enterrer, je vais attendre d'avoir plus de div. Là, il me fait beaucoup trop mal. Je vais prendre de l'or, je vais me bétonner, et quand je serai retranché, il me fera moins de pertes. Mais là, c'est la cata. Je peux pas attaquer en prenant autant de pertes. Il faut que j'aille prendre ces aéroports. Sauf que là, ça décolle de Moscou. Pff, putain, l'aviation, je vais subir. Je vais subir l'aviation. On va commencer à envoyer des renforts. Oh, quoi que non, là, je suis en train de tout prendre. Alors, je crois que ça y est. Il est ravitaillé. Non, il est toujours pas ravitaillé. Oh, je crois que peut-être l'IA n'arrive pas à ravitailler à l'autre bout du monde. Peut-être qu'il a pas assez de convois aussi, hein. Allez savoir. Le russe, c'est pas une faction navale. Allez, on envoie des renforts. Voilà. Ici, c'est arrivé à destination. On va passer en offensive. On va mettre un général à la con. Allez hop, défensive doctrine, c'est parti. Et on va pousser. Les bombardiers russes vont pas pouvoir être partout à la fois. On va leur offrir tellement de cibles. Oh là, je prends une contre-attaque ici. Putain, ça va pas passer. Par contre, je pourrais éventuellement, moi, contre-attaquer. Voilà. Hop, support attaque. Full attaque. Il est pas ravitaillé, cette espèce de fils de pute. Oh là là. Ça y est, il fait froid. On est en montagne, il y a du blizzard. Est-ce que j'ai des malus? Moins 18 de malus à cause du gel. Ah putain, moins 18. Moins 20 à cause de la montagne, moins 18 à cause du gel. Et mes pépés sont en train de remonter, hein. Mes pépés sont en train de remonter, hein. Ok. On est pas mal. On est pas mal du tout. Ici, je recomplète. Oh là là, les pertes que j'ai prises dans cette unité. Elle, je peux plus la sortir. 15 points de recomplètement dans le renforcement qu'il me faut. On va mettre... Ouais, il faut que je renforce à toute vitesse. Il faut vraiment que je renforce. Au niveau des ressources, même mon essence. Mon essence s'est cassé la gueule. Hein. Regardez mon essence. Je suis incapable de tenir... Ouais, mais là, attendez. Pop, 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 pop. Pourquoi il me fait autant de deals, là, l'enculé, là? Ah ouais, 18 d'essence au Tsing. Tu mets... Ouais, je donne beaucoup de ressources. Okay, pas tant que ça d'essence. La Thaïlande, désolé. Ouais, bon. Vous êtes gentil. Auto-help ally. On va un peu se calmer, là. Sur l'auto-help aux alliés. Putain de tac de merde. Ouh, regardez, ça on a accentué la poche. Hop, le mécanisé. On va partir là-bas. Hop là. Le motorisé, tu vas aller là. En offensive. Voilà. Ok. Atoms, c'est en train de tomber. Là-haut, ça passe. C'est en train de passer. On va supporter là. Ici, c'est passé aussi. On va attaquer, tout simplement. Voilà. En offensive. Bon. On est pas mal. Mes PP sont en train de revenir. J'ai repris les deux provinces à PP. J'ai récupéré les deux provinces à PP de PP. 36 PP qui vont revenir dans les caisses. J'en ai bien besoin. Ici, je suis en train de wiper. Le dernier corps russe. Voilà, 3 divisions étriées, dont du semi-moderne 1948. Ça fait vraiment plaisir de wiper ça. Oh, ce que je prends. Ouais, malheureusement, l'aviation russe est en train de m'étrier. Il faut que j'amène plus de divs. Putain, les pertes que je prends, c'est catastrophique. J'ai une unité à 20 de force. Elle s'est faite totalement wiper, la machin.
Oh là, ici, ok, ça sert à rien d'attaquer, je me fais manger. Ok, le russe est en train de mettre en place une ligne de défense. Putain, mon essence. J'aurai bientôt plus d'essence, hein. Attendez, j'ai un plan. Je vais aller voir le Venezuela. Il me semble que le Venezuela, on était en bon terme. N'est-ce pas, le Vénézuélien? Dis-moi, le Vénézuélien, tu serais prêt à échanger des plans incroyables? Salut à toi, jeune Vénézuélien! Est-ce que tu veux le plan des divisions blindées et savoir faire des picouzes? Boum! 7000 d'essence. Je vais aller voir le Bulgare. Le Bulgare, il va bien aussi. Salut à toi, camarade Bulgare. Ne vois-tu pas que ton ennemi russe se fait bolosser? C'est que 70%, mais ça va remplir les stocks. Voilà, je suis remonté à 11 000 d'essence. Une secte, non, 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 mais une secte, mais non. French shooter, on se respecte quand même. Ouais. Je vais commencer à... Oh, je prends une contre-attaque. Je prends une contre-attaque de une division russe. Ok, je me replie, ça y est. Le russe est en train de se réorganiser à l'ouest, sur mon front ouest. Je vais... J'ai fait le boulot. J'ai fait le boulot. Je vais commencer à rassembler mon armée à l'ouest. Ah, regardez. Oh putain, le russe est en train de... Oh là là, d'où il sort autant de divisions, ce bâtard-là. On va vite wiper ça. Et on va commencer à envoyer des divs pour préparer la poussée sur Moscou. Là, j'ai fait une belle opération, mais là, je prends très très cher. Il y a l'aviation russe en train de me bolosser. Par contre, on pourrait peut-être... mes tanks, eux, sont... Non, mais même mes tanks, je... C'est une belle province, mais en fait, l'aviation me fait trop mal. Regardez les strats! Regardez les strats russes! Les strats russes, ils se permettent le luxe! Alors, par contre, si les strats parlent là-bas, peut-être qu'il va arrêter de me bombarder la gueule. Ce qui serait très très chouette. Bon, je vais faire un tour chez les mignons. Les mignons, ça en est où? Il y a des nouvelles divisions perses qui sont arrivées. Magnifique. Il y a une division légère que je vais pouvoir envoyer pour finir la ligne de défense ici. Voilà. L'Égyptien, deux divisions d'infanterie. Alors ça, elle était déjà là. Ah, une nouvelle division de la Tripolitaine, de la Libye. Le Tunisien m'a rien fait de nouveau. Et l'Algérien non plus. Et en Afrique, c'est bon. On va pas... On va retourner en Russie. Il y a fort à faire. Ok, je vais arrêter d'attaquer en Russie, ou en tout cas au nord, c'est bon. Ok, ici, ça y est, ça c'est en train de passer. On va aller prendre les aéroports russes. Oh, 10 divisions, au secours! Il est toujours pas ravitaillé. Il n'arrive pas à ravitailler, donc on va se calmer et on va le saigner. Déjà, on va mettre pause et je vais commencer à déployer, à renvoyer mes divisions. Oh, mais ma TC qui explose là, putain! Mais j'ai pas de PP! Forcément, si j'ai pas de PP, j'ai pas de TC! C'est un désastre, hein. Les divisions Tsing. On va préparer les lignes de défense arrière. Toi, t'as déjà dégagé. Toi, tu vas aller préparer le terrain à l'arrière aussi. Voilà. Putain, ici, je suis en train de wiper deux divisions d'infanterie russe. C'est les dernières. Ici, ça a dégagé. On va attaquer là. C'est parti. On va pas laisser les Russes respirer. On supporte l'attaque. Hop, attends, mais c'est une blague, il m'attaque? Oh, il m'attaque. Petite salope, va. Attaquer. Attaquer. On supporte, voilà. Ennemi en vue à Perm. Donc ça, je crois que Perm, voilà. C'est ici. Ouais, la contre-attaque russe à l'ouest. J'ai fait une sacrée chevauchée. J'ai coupé en deux. Mais là, je prends maintenant... je subis l'aviation russe, en fait. Donc là, je vais devoir faire le gros dos le temps que j'ai beaucoup de mes divisions qui soient de retour. Voilà, là, mes tanks. Direction Orienbourg. Oui, putain, j'ai... C'est une catastrophe, ma TC. C'est une catastrophe. Faut que j'arrête de bouger des divs. Mon essence aussi, c'est la catastrophe. Je perds 71 d'essence par jour. Mais forcément, j'ai une armée mécanisée. J'ai que des tanks maintenant. Que des tanks, du méca et tout, bah. C'est un coup, hein. Ah, mais je suis pas loin du Pacifique, en fait! Ça va aller vite! Ah,
Oh là là, il y a la division blindée et tout. Oh là là. Ok, les renforts commencent à arriver. Les renforts commencent à arriver. De la division à déployer. Putain, mais ça, on s'en tape. Allez. Hop. 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 Elle a riche. Voilà. Oh, je me fais taquer. J'en peux plus. J'en peux plus. Et là-haut, ça tombe pas, hein. Il se défend, hein. Regardez ça. Toutes les divisions fraîches qui viennent d'arriver. 9 divisions fraîches. Mais il est pas ravitaillé. C'est le bon point. Ok. Et ici, je me fais attaquer. C'est une blague. Et ça... Il m'attaque avec 9 divs. Oh là là. Ah, par contre, attends. Il y a un coup à jouer, là. Pour essayer de le... Support attaque. Voilà. Support attaque. Non, on va même attaquer directement. Voilà. On va essayer de le fatiguer. Voilà. 9 divisions contre 9. Il a... On va lui saigner son orgue. Et il pourra plus la récupérer. Faut surtout pas que je perde cette province. Il y a des ressources et des PP. Là-haut, c'est en train de passer. Là-bas, c'est passé. Parfait. Je vais rouler jusqu'au Pacifique. Enfin, rouler, je vais marcher parce que j'ai pas beaucoup de méca. Aïe, aïe, aïe. Ici, il va sur Toyalati. Je le contre-attaquerai, mais je poursuivrai pas pour pas... Ok, j'ai des renforts qui arrivent. 140 PP. Je suis en train de récupérer mes PP très rapidement. Et Nabaré Tchelny, c'est une belle base d'opération. Et j'ai les renforts qui arrivent dessus. Oh, mais regardez ça! 20 force! Putain, je suis incapable de faire monter cette unité. Allez, dépêche-toi, le mecha, là. Va prendre cette province de merde. Puis il y a des ressources dessus. J'ai envoyé les chars. Ma division blindée, là. Je vais l'envoyer là-bas. Et elle va rouler jusqu'au Pacifique. Voilà. Italien sur DH Vanilla. Oh là là. DH Vanilla... J'y ai pas touché depuis très longtemps. Support attaque. Hop. Voilà, ça a tenu. Ça a tenu et on contre-attaque. Boum. Voilà, on va lui saigner son orgue. Putain, regardez là-haut à Tomsk. Comment il tient. Il y a 17 divisions russes sur cette province de merde. Comment il... Ne t'énerve pas, Pépé, ça sert à rien. Ça sert à rien. On arrête l'attaque. Voilà. Ici, attaque repoussée. On va... Non, mais il y a 9 divisions qui attaquent. Comment il a de l'orgue alors que je le saigne depuis tout à l'heure? Ok, les Panzer Grenadiers sont arrivés, les Panzer Grenadiers. L'Eumeka est là. Hop. Fonyangurn, qui lui, ne se fait pas intercepter, va continuer sa chevauchée en direction de Arkhangelsk. Et on va même prendre l'infanterie. La milice et la montée là-haut. Hop là, voilà, la montée en bas. On va pas la monter en bas. Okay, les renforts arrivent. Les renforts arrivent. Au compte-gouttes, mais ça arrive. J'ai une ligne de défense. Et je suis prêt à contre-attaquer. D'ailleurs, on va contre-attaquer les chars russes. Parce que on peut le faire. Voilà, support attaque, c'est parti. Voilà, une division blindée russe du char 1948. Construit la DCA, mais arrêtez! Arlenus, faire de la DCA, ça prend des années. Donc là, je m'en branle. La campagne, c'est bon. Il est au sud, je vais attaquer au nord et vice-versa. Faire de la DCA, c'est du très long terme. Cette campagne, c'est pas du long terme. Là, je suis en train de boucler l'affaire. C'est juste que c'est casse-couille. Voilà. Voilà, hop, ici c'est bon. Ici c'est bon. Voilà. Pas mal. Bon, attendez, ça fait combien de temps que je joue, là? Parce que... Je commence à fatiguer. Je suis un boomer. Il est quelle heure? Il est quelle heure? Parce que je vais pas finir ce soir cette campagne russe. Hein. 2h50. Je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là et on finira ça la prochaine session. Je pense que la prochaine session, le russe, je vais pouvoir m'en débarrasser. Déjà, ça fait une sacrée campagne. Hein. Ça fait une sacrée campagne. Hein.
Bon, le russe m'aura fait suer, hein. Me faire tomber à 110 pp, j'avais pas prévu ça, hein. J'avais pas prévu ça du tout, hein. 5 subs! JLB! Merci! Oh, je vais pouvoir faire ma campagne avec les nains! Génial! Fais des intercepteurs à réaction, putain! J'ai pas les turbines, j'ai rien! Les technologies, j'ai pas le. La roquetterie, regardez! Mine roquetterie 1926, j'ai rien, c'est trop long à faire. Merci JLB! C'est fort sympa de ta part! Illumine-moi de ton foutre. Oui, viens. C'est juste pour ta campagne. Ah bah, ça va être sympa de faire une campagne. Une campagne nain. Il y a un sacré corridor. C'est une sacrée campagne. Ça va pas être facile. Hein. L'aviation va me faire. L'aviation russe va être terrible. Il y a 3 aéroports. 4. Avec. Non, mais il y en a beaucoup plus. Oh, il y a des aéroports partout. Oh. Je vais me faire taquer. Ça va me coûter tellement cher en vie humaine. Mais c'est pas grave. Les réservoirs du Cannes sont infinis. Et là, maintenant que j'ai fait une. J'ai verrouillé ici, ça va être bon. Bon, allez, on s'arrête là. C'était cool. On continuera à la prochaine. Et. Alors, demain, j'aurai pas de minute archéologique, puisque Skyro, c'est pas là. Et donc, peut-être que je ferai du César 3 demain après-midi. Et je continuerai la campagne sur Europa Barbarorum, la campagne avec Rome, demain soir, 20h. Samedi, on aura une minute spatiale. Peut-être que je ferai du DH samedi soir. Parce que j'ai envie de continuer DH en fait. J'ai vraiment envie de continuer DH. Donc peut-être qu'on finira la campagne contre le russe samedi soir. Et dimanche. Dimanche, grosse journée. Il y aura la session 1 de U4 de la bataille royale sur les îles. Et peut-être que je ferai du Company of Heroes 2 avec les autres. Je vais leur demander s'ils sont dispo. Voilà. C'est quand la prochaine minute géopolitique Barnabou me tiendra au jus s'il est là la semaine prochaine. Et on fera une minute géopolitique la semaine prochaine, selon les disponibilités de mes camarades. Voilà. De la cave volante, je suis sûr que ça marche. Bah, la cavalerie volante, elle existe, hein. C'est les hélicoptères, mais sauf que j'ai pas les techs pour les faire. Genre, vraiment, il faut des techs de dingue pour avoir les hélicos, et je les ai pas, malheureusement. Bon, allez, sur ce, on s'arrête là. Passez une bonne soirée. Passez un bon week-end pour ceux qui sont pas dispo. Et sinon, rendez-vous dans les prochains jours. Ciao, ciao. Salut tout le monde, bye bye.